Ouais, c'est super. Et puis on a Si Mohamed avec nous qui nous rejoint. Bonjour Si Mohamed. Merci beaucoup parce que je sais que c'est pas évident avec votre atelier de restitution, mais je te remercie du fond du cœur, franchement du temps. Khadija, alors il ne manque plus personne. Khadija, tu peux allumer ta caméra parce qu'on veut prendre une petite photo tant que Sophie est avec nous. Ça me fait des bons souvenirs parce que c'est toujours un espace, voilà, un espace chaleureux On l'anime. et toujours sympa. Ouais. Bon, bah, Khadija, je crois que. Khadija? Bon, peut-être qu'elle n'est pas. Alors, allez, on va attendre juste attendre Si Mohamed pour qu'il s'installe. Comme ça, on va prendre une superbe photo avant de commencer parce qu'à un time. Je présenterai les uns et les autres, et puis on commence par le mot de Sophie, représentant la délégation de l'Union européenne au Maroc. Allez, voilà. Allez, la petite photo, rapidement. Allez. Un, deux, trois. Et voilà, c'est dans la Bravo. Parfait. Alors, Merci. bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier toutes les personnes connectées du bon matin. Donc, nous sommes à ce stade-là 69. On a eu plus de 400 inscrits. Ça en dit long de l'intérêt que la session a enfin, de tout l'intérêt que les gens ont porté à cette session-là, parce que on s'intéresse à la jeunesse, on s'intéresse à toutes les opportunités offertes à la jeunesse à travers justement l'implication des structures de la jeunesse. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Sophie Huéguerich, qui va représenter la délégation de l'Union européenne au Maroc, qui nous fera un petit mot d'ouverture au nom de l'Union européenne. Nous avons également avec nous Madame Claudia Mandino de l'Agence exécutive européenne de la Commission européenne, qui nous parle de Bruxelles et qui va nous présenter une des actions phares aujourd'hui d'Erasmus Jeunesse, à savoir le renforcement de capacités destinées aux structures de jeunesse. Juste pour vous dire que aujourd'hui, le renforcement de capacités de ces structures est une priorité aujourd'hui pour l'Union européenne. Nous avons ensuite vous présenté donc du coup les autres actions éligibles possibles pour vous, et vous expliquer finalement en quoi consistent ces actions-là. Et nous avons sur le volet volontariat la participation distinguée des champions, je dirais, du volontariat, à savoir France Volontaire, hein, rien que ça, donc France Volontaire Maroc. Et donc, nous avons l'honneur d'avoir avec nous aussi Mohamed Jadri. Je les remercie vivement parce que cette semaine est très compliquée pour eux. Ils ont des ateliers très importants et ils nous ont accordé du temps pour partager leur expérience. Et surtout, vous dire que ce n'est qu'une première étape aujourd'hui à de la session d'information, parce que ce qui va arriver par la suite, c'est tout un accompagnement, parce qu'on va essayer un peu de comprendre la constitution, la structuration et la structure aujourd'hui des associations marocaines pour essayer de travailler avec celles qui se rapprochent le plus, on va dire, au volontariat, celles qui sont prêtes peut-être pour le renforcement de capacité, etc., pour faire vraiment de l'accompagnement plus rapproché. Et donc, avec France Volontaire, la délégation de l'Union européenne et d'autres partenaires, notamment d'autres associations, telle l'association d'ISS1 et d'IEL Amin Khaldi, qui devait être avec nous également aujourd'hui, mais malheureusement, il a eu une petite opération chirurgicale, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Et donc, je voudrais remercier vraiment tous ces partenaires. Et donc, on va avoir une dernière partie qui est très importante. C'est un petit retour d'expérience. Ce sont des gens qui ont participé à toute cette dynamique, qui vont partager avec nous qu'est-ce qu'ils ont gagné, pourquoi c'est important aujourd'hui en tant qu'association de s'investir dans cette, parce qu'il y a vraiment un investissement, on va dire, humain, etc., à faire. Et donc, là, c'est important aujourd'hui d'y aller. Et maintenant, c'est Swan, Omha, de Taloudens.
et qui va partager avec nous. Et vous allez voir que c'est une personne très généreuse, hein, qui va partager non seulement son expérience, mais il nous a offert également sa prédisposition pour aider dans cet accompagnement aujourd'hui pour les associations. On a Anna Khadija, qu'on n'a pas pu voir, mais elle est là, qui est une jeune fille qui a bénéficié justement d'une mobilité Erasmus jeunesse et qui va partager avec nous son expérience. Donc aujourd'hui, on va switcher, hein, du français à l'arabe à l'anglais. Donc on est dans une dynamique Erasmus. Et sans tarder, je vais passer la parole à Madame Sophie Huéguerich pour le mot d'ouverture de la délégation de l'Union européenne. Merci beaucoup, Latifa. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là pour ce deuxième rendez-vous de présentation sur les potentialités et les opportunités d'Erasmus+ dans son volet jeunesse ici au Maroc. Ça a été l'an dernier un vrai temps d'échange, une vraie réussite. Et cette année encore, je le sais, le programme, comme tu le disais, Latifa, est complet et aussi bien pour présenter ces opportunités que pour donner très concrètement une idée de l'expérience que cela aura été pour ceux qui ont été engagés. Ce que je voulais juste dire aujourd'hui, partager avec vous, c'est pourquoi est-ce que nous, en tant qu'Union européenne, on est engagés sur ce programme, les différents axes de notre engagement et aussi pourquoi Erasmus+ Jeunesse a toutes ses potentialités que l'on vous invite évidemment à exploiter. L'Union européenne, dans son partenariat avec le Maroc, est vraiment très engagée et de plus en plus pour les jeunes au Maroc, pour la jeunesse en général. Pourquoi ? Aussi bien dans tout ce qui touche à l'accompagnement à l'emploi, à l'entrepreneuriat des jeunes, donc le parcours professionnel, la construction, le développement du parcours professionnel des jeunes, que de leur engagement citoyen. Ce sont ces jeunes qui construisent l'avenir, qui construisent leur avenir et qui construisent aussi la société d'aujourd'hui et de demain. Et dans ce sens-là, nous, on est là auprès, avec les institutions, avec les acteurs locaux, avec les acteurs associatifs, avec les acteurs du secteur privé aussi, dans cette démarche d'accompagnement de la jeunesse. Comment ça se traduit très concrètement? On a d'abord un partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication qui tourne autour de l'ambition du renouvellement de l'offre des services des établissements de proximité, des maisons de jeunes. Il y a toute une réflexion pour l'adaptation, la réponse aux attentes des jeunes au niveau des territoires. En termes d'offres de formation, d'offres d'activités culturelles, etc. C'est aussi l'autre axe de partenariat sur tout ce qui touche à la construction, au développement du métier d'animateur socioculturel de la jeunesse. C'est un métier qui vous parle, vous qui êtes dans ce secteur-là. On voit toute l'importance de ce rôle, de cette profession-là, et le programme que nous avons avec le ministère vise aussi cette dimension. C'est aussi le renouvellement, le renforcement des partenariats avec les associations de jeunesse. Et là, vous êtes évidemment les premiers concernés. Ces partenariats au service de la réalisation de cette vision, de cette politique d'inclusion des jeunes, notamment les plus vulnérables. L'autre de ces axes importants de notre partenariat avec le ministère concerne le volontariat, et c'est quelque chose qui évidemment est une question de préoccupation pour notre séminaire aujourd'hui. C'est le premier axe. L'autre axe est un appui aux associations et au secteur de la société civile directement. Nous sommes engagés pour l'accompagnement des actions des organisations de la société civile, notamment de la jeunesse, aussi bien celles qui sont engagées pour l'insertion professionnelle de jeunes que pour celles qui travaillent sur tout l'engagement citoyen, l'activité culturelle, etc., des jeunes. C'est dans du financement d'actions, mais aussi du renforcement de capacités et de réseaux, de partenariats. C'est une dimension aussi très importante à laquelle
nous attachons une priorité toute particulière. Nous avons pour cela des appels à propositions régulièrement, tous les 2 ans environ, qui sont ouverts aux associations, qui sont ouverts et publiés sur nos réseaux, la page Facebook de la délégation, le site de la délégation est relayé. Et donc, évidemment, nous vous invitons toujours à une vigilance pour voir quelles sont les opportunités d'appui qui pourraient vous intéresser de la part de l'Union européenne. Le dernier grand axe dont je voulais vous parler aujourd'hui, en termes d'engagement pour nous, c'est Erasmus+. Erasmus+, au Maroc, c'est, vous le connaissez, dans son volet enseignement supérieur, dans son volet jeunesse, accompagnement de volontariat de jeunes, mais aussi, comme l'a dit Latifa, ce programme s'est renforcé par un volet formation professionnelle et aussi dans le volet jeunesse, le volet accompagnement et renforcement des structures de la jeunesse. Erasmus+, depuis 2014, c'est 17 000 jeunes étudiants et volontaires marocains qui sont partis en Europe. C'est beaucoup. C'est très bien. Nous voudrions vraiment continuer cet engagement pour pouvoir accompagner, étoffer, offrir encore plus d'opportunités aux jeunes marocains pour partir en Europe, aussi bien qu'aux jeunes européens pour venir ici au Maroc. Pourquoi ? Parce qu'Erasmus, c'est aussi dans cette expérience de volontariat, c'est une expérience d'échange. C'est une expérience extraordinaire de renforcement de savoir-faire, de compétences, de savoir-être, de vivre ensemble, de résilience. On en parlait encore hier à l'un des ateliers organisé avec France Volontaire, et on voit bien la transformation et tout l'enrichissement que cela apporte aux jeunes qui y est impliqué. Enfin, on entendra la jeune femme partager son expérience, mais de toute évidence, au-delà d'une expérience humaine, ce sont des acquis de plus en plus reconnus d'un point de vue professionnel. Et ça, pour nous, en tant qu'Union européenne, c'est un élément important. L'autre, et je terminerai là-dessus, l'autre dimension, ce sont ces partenariats entre associations. On aura l'occasion d'en parler, vous les entendrez au courant de cette matinée. On sait tout le temps que cela prend pour les renforcer, les développer, mais c'est ce qui fait aussi la force des projets et la force des échanges et des partenariats. Donc, tout ceci pour vous dire que nous sommes ravis des 400 associations qui sont là avec nous aujourd'hui. Nous espérons vous voir nombreux à postuler pour les opportunités dans le cadre d'Erasmus+. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous aurez aujourd'hui et nous sommes là pour y répondre et pour vous accompagner au mieux. Bon courage, bonne journée. Merci, merci beaucoup Sophie, merci. Et en effet, alors je vais juste chercher. Oh ben voilà, je crois que le partage est bien fait, je crois. C'est bon. En effet, je te remercie beaucoup, Sophie, pour cette introduction. Et c'est vrai qu'il était très important de positionner Erasmus dans les autres instruments d'accompagnement de l'Union européenne au Maroc sur le volet jeunesse. Erasmus, c'est ce que je vais présenter tout de suite, mais rapidement pour ne pas être non plus très ennuyeux sur un certain nombre d'aspects, mais il est très important, de comprendre la philosophie d'Erasmus pour pouvoir bien profiter de toutes ces dynamiques. Donc, tout d'abord, de présenter qui sommes-nous, hein, le Bureau national Erasmus+, quelle est l'étendue de notre mission aujourd'hui. Nous sommes un bureau de coordination. Nous coordonnons entre les différents partenaires aujourd'hui ou aux parents du programme, à savoir la Commission européenne à travers l'agence exécutive à Bruxelles et la délégation de l'Union européenne au Maroc, les autorités locales, notamment sur le volet enseignement supérieur, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, et sur le volet jeunesse, avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication.
mais également désormais, à partir de cette année, la formation professionnelle avec le ministère de l'inclusion économique, de la petite entreprise et des compétences. Mais également avec de coordonner, d'accompagner, d'informer les différentes institutions concernées par toute la dynamique et surtout valoriser les résultats des projets, valoriser ce qui se fait, créer de la synergie entre les différents projets. Et d'ailleurs, un des objectifs désormais que nous nous fixons, c'est de créer des passerelles entre les différents secteurs, à savoir l'enseignement supérieur, la jeunesse et la formation professionnelle, parce que c'est également la philosophie donc, d'Erasmus. Alors, Erasmus, c'est le programme de l'Union européenne pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le programme soutient ces différents secteurs, les Mashabeb, Tarbiya ou Tselim, à travers un système de financement, mais pas que. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on gagne également dans Erasmus. Et en actionnant, on va dire, trois principaux axes. Le soutien à la mobilité des individus, les Harakiya Diel Ashras, ou le financement des partenariats et de la coopération. C'est ce que disait justement Sophie, c'est-à-dire le تمويل واحد شراكات ما بين مثلا الجمعيات الاوروبيه والجمعيات المغربيه ou ايضا واحد لاكسيون واحد لاكسيون كلي de soutien aux politiques. Et donc l'Erasmus Plus va essayer d'accompagner aussi bien donc les institutions pour les individus dans l'éducation formelle, c'est l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, ou l'éducation informelle, à travers tout ce qui se fait aujourd'hui dans la jeunesse, en accompagnant la société civile, l'Amel Jumhawi, ou les actions des jeunes et en dehors des classes et des cours. Donc, c'est une approche, l'approche d'Erasmus, il y a un ma'yusama bil bottom-up, yani, au lieu de partir ou de faire mesellen ou de financer ou d'aller vers le ministère et que ça descende, l'objectif est là, c'est vraiment de se focaliser sur les institutions elles-mêmes, d'aller vers les institutions et de là, et sur les individus, agir sur les individus, les institutions, et de là, avoir une influence et un impact sur tout le système et pourquoi pas sur toute la société. Donc, elle dit, il y a vraiment la logique d'Erasmus, où cette logique, elle est gérée par ce qu'on appelle des appels à projets. À projet, pardon. Et donc, les appels à projets, chaque année, c'est qu'on a l'appel et des consortiums, au minimum de 2, 3 ou 4 partenaires, doivent déposer un projet. Donc, le format de l'appel à projet. Donc, dans Erasmus, nous avons des bourses. Le programme, il donne des bourses de mobilité, des bourses qui vont financer, bien sûr, le séjour et financer le voyage pour les jeunes, dans la jeunesse, pour les jeunes et les animateurs socio-éducatifs, comme deux populations déjà d'individus cibles. Il finance des partenariats transnationaux, des partenariats entre, encore une fois, des institutions marocaines, des institutions européennes, mais également des institutions régionales. C'est ce que va expliquer justement Claudia tout à l'heure dans le renforcement de capacité. Il y a un partenariat avec le Maghreb, avec les jumeillettes de Tunis, avec les jumeillettes de l'Ordon, le Lubnan, ou les jumeillettes européennes. Il y a quand je vois vraiment que c'est un financement donc, qui permettra aussi l'intégration régionale de Yahya Mouhima Aïdan à travers Erasmus. Erasmus également permet à travers les partenariats et ses financements l'échange de bonnes pratiques, l'échange d'expertise, l'internationalisation des associations qui est quelque chose, je crois, de nouveau pour nos associations, de considérer l'international. Parce que c'est très important en termes de professionnalisation, elle est importante pour chercher de nouveaux financements. Parce qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre et la problématique d'Yel Jemaoui, au moins le financement. Et donc,
quand on souffre, quand on, et c'est ça l'objectif d'Erasmus, c'est d'accompagner, d'initier, le fait de s'internationaliser et de s'ouvrir permettra d'avoir plus de visibilité, plus de crédibilité, parce qu'il y a des labels, il y a des accréditations, on a dit Forum tout à l'heure, donc ça donne de la crédibilité, ça donne de la visibilité, et même vis-à-vis de d'autres bailleurs de fonds, de d'autres sources de financement, ça permet déjà de dire que nous sommes une association crédible et sérieuse et professionnelle. Et puis le réseautage aujourd'hui, Radir Kolina Soufiane ou Sijedri, aujourd'hui, toutes les ouvertures que Erasmus a permis, leur avait permis en tant qu'association. Sophie a déjà donné quelques chiffres sur la participation marocaine dans la jeunesse, très importante. Nous sommes premiers sur la région sud-méditerranée, à laquelle nous appartenons. Nous avons une famille les منطقات البحر الابيض المتوسط وحنا الاولين وكنتعاملوا اكثر شيء مع لا فرانس الاسبان الايطالي لا تركي اي لا بلجيك ou comme l'a dit Sophie plusieurs thématiques sont concernées par ces partenariats, notamment l'inclusion, la culture. Yani j'ai mis l'ihtimamat li yom li kanchouf l'asma ديال les associations li معنا aujourd'hui. Enfin, j'ai mis comme radikaw un partenaire parce que tout chi had l'amal li yom li kadirou fa wa kayn fi priorité aujourd'hui de l'Union européenne, et nous sommes heureux que toute cette dynamique, elle a impliqué plus de 200 associations dans 16 uniquement marocaines. Et هذا هو علاش حنا اليوم وجدنا دين باش نرفعوا من عدد لي زاسوسياسيون اللي ممكن تشارك في برنامج الاتحاد الاوروبي اراسموس بلس, لانه 16 الجمعيه فقط, فهذا بالنسبه لي رقم يعني اللي هو ديريزوار. ولكن العلاقات تتم مع مجموعه من الجمعيات الاوروبيه اللي اليوم فهي كتقلب على شركاء اللي يكونوا معقولين, اللي يكونوا فيابل, اللي يكونوا بروفيسيونيل ايتترا. اليوم كنتعاملوا مع 33 بي اوروبيان امبليكي دون ايراسموس, اللي هو لو ماكسيموم, لانه كانوا 34 وبعد خروج انجلترا راهما 33. فهذه اللي هي مرتبه مشرفه اللي خاصنا نخدموا عليه, هو اننا نطوروا عدد المشاركين من طرف الجمعيات, لانه 16 جمعيه فقط فهي شي حاجه اللي هي قليله جدا. Quelles sont les priorités du nouveau programme, parce que quand un ancien programme 14-20, aujourd'hui 21-27, les priorités transversales de l'Union européenne, à savoir la transition numérique, la transition écologique, l'inclusion, l'accessibilité et l'équité. Les priorités d'Yamna. L'Union européenne désire renforcer le volet jeunesse dans Erasmus+, ce qui est une très bonne chose pour nous. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs actions possibles pour nous, Marocains, à travers les différents secteurs. Nous allons parler du secteur de l'Echebeb. Ou radin choufou maakoum, donc un élément par élément. Le hajjal li radin bidou biha awalan huwa de comprendre que le Maroc, c'est un pays partenaire tiers, ce qu'on appelle un pays tiers non associé au programme. Yani le Maghreb aujourd'hui ne cotise pas au programme Erasmus+, ou lekin kistafed menno, ou kant nantamiou ila la région 3. C'est très important de connaître à laquelle région nous appartenons. L'Union européenne fait wahed le dispatching, wahed la division de régions. Nous appartenons à la région 3, c'est la région sud-méditerranée, et qui est considéré comme ce qu'on appelle le voisinage sud de l'Union européenne, qui est une position privilégiée. Les pays avec lesquels on peut travailler et qui sont eux des pays associés au programme, Roma, Sbaou, Shirin, Daoula, Tentami, il est l'Etihad l'Europe, Zaid, Wahed, Khmsata, Douali, Moucherika, l'Islande, Liechtenstein, Norvège, la Macédonie, la Serbie, la Turquie. Alèche, Kamboulukoum, Douali, Bachtkodro, pour visualiser tout de suite les pays avec lesquels vous pouvez travailler aujourd'hui à travers Erasmus, et pour vous dire qu'il y a une palette très diversifiée donc, de pays, et donc en plus des pays européens, bien sûr, on peut travailler avec les autres pays de la région sud-méditerranée à laquelle nous appartenons, et également d'autres pays en dehors de la région, notamment la région 9, et au moins les pays de l'Afrique subsaharienne. Voilà un peu ce que je voulais dire sur le programme. Les actions ouvertes aujourd'hui sous Erasmus, on va dire principalement bas,
la mobilité des individus, les FIHA, les projets, échange de jeunes, les projets de mobilité des animateurs socio-éducatifs ou les activités de participation des jeunes. Ensuite, c'est la deuxième action, les projets de renforcement de capacité, les échanges virtuels Erasmus et le corps européen de solidarité, ou le volontariat européen. Donc, Radim présente au Lécoum, on va commencer avec le renforcement ou les projets de renforcement de capacité, parce que les projets sont très importants parce que c'est ce qui va aider nos associations à se préparer justement pour être beaucoup plus réactives, beaucoup plus, entre guillemets, agressives et beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus professionnelles pour aller sur d'autres actions. Et sans tarder, je passe la parole à Claudia. Qui va nous présenter la partie renforcement de capacité. Et Claudia, pardon, je n'arrive pas à trouver. Ah, bah oui, il faut que j'arrête mon partage, tout simplement. Je n'arrive pas à voir. Allô? Moi, je suis là. Ah, d'accord, excusez-moi. Non, autant pour moi. Non, t'inquiète. J'attends que tu arrives à mettre mes slides aussi, ma présentation aussi, et après… Mais tu peux présenter directement si tu le souhaites. Ah oui, très bien. Dis-moi comment. Je préfère comme ça, tu as la commande et tu peux défiler à ta guise. Alors, un instant, parce que moi, en tant que boomer, j'ai mes… Je dois demander remote control, c'est ça? Tu dois tout d'abord partager ton écran, arrêter le partage. C'est ce que je me disais, pourquoi je vois mon écran toujours. Alors, tu peux partager. Je partage mon écran, je le partage ici. Je fais share. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Très bien. J'aurais dû le partager sur cet écran, mais je me déplace comme ça, sinon vous ne voyez que mon profil. Très bien. Donc, je commence par remercier le bureau et Latifa pour l'invitation. Je m'appelle Claudia Mondino. Sur une note très personnelle, je suis super contente d'avoir été invitée à parler à un public marocain. J'ai adoré votre pays. J'ai des magnifiques souvenirs. Donc, ça me fait plaisir de vous donner des clés pour être plus présent dans nos actions. Je travaille à l'agence exécutive pour l'éducation et la culture à Bruxelles. Et nous, on est, le sujet qui met en œuvre le programme Erasmus. Ça veut dire que c'est chez nous qu'on traite toutes les demandes de financement qui arrivent, qu'on fait la sélection, qu'on fait la communication et qu'une fois que les projets sont sélectionnés, on les suit, on fait le suivi avec le monitoring et on est bien évidemment de support pour tout projet. Pour vous donner un peu le contexte, même si Latifa a fait un super boulot et elle a dit toutes les choses que j'aurais pu dire aussi, je passe, excusez-moi, voilà. Alors, dans le contexte, je commencerai par parler de 2022 comme année européenne pour la jeunesse. Après deux années Covid qui ont sérieusement affaibli tout le monde, la Commission a quand même considéré que les efforts que les jeunes avaient faits pour soutenir les autres générations avec une solidarité intergénérationnelle qui n'était pas nécessairement évidente. C'était le cas de premier, de donner quelques possibilités en plus que dans le cas spécifique devient de donner quelques millions, parce que c'est de ça qu'on parle, de budget de plus pour les actions de la jeunesse. Donc, le 2022 sera une année consacrée aux jeunes qui ont consacré les deux dernières années à faire de sorte que leur aîné puisse courir moins de risques.
Toujours dans le contexte, mais ça aussi, Latifa vous l'a dit, il y a les priorités du programme général qui sont l'inclusion et la diversité, l'environnement, le numérique et la participation. Ces quatre priorités doivent être le squelette de chaque demande de financement. Ça veut dire que, quoi que ce soit le sujet spécifique de votre demande de financement, vous devez garder en tête que votre projet doit s'inscrire dans une, si pas plus, de ces priorités. Vous pouvez faire de renforcement des capacités des jeunes pour l'accès au travail, pour la coopération, pour, je ne sais pas, l'ouverture sociale dans la coopération avec, sur les thèmes de coopération, mais vous devez garder en tête l'inclusion, l'environnement, le numérique, qui vient de soi maintenant que tout est fait online et que plein d'activités ne sont plus en présence, et la participation. Comme Latifa vous a dit, le programme Erasmus peut être représenté par une pyramide, la pyramide sur le bas à la mobilité des individus et au milieu à la coopération entre les organisations et les institutions dont on fait partie, l'action pour laquelle je travaille, renforcement des capacités dans le domaine de la jeunesse. Toute la pyramide, donc tout le paquet Erasmus, vaut 30 billions d'euros. C'est un truc énorme. La plus grande partie, disons le 75%, est dédiée aux individus, mais il y a quand même assez pour avoir des bonnes chances d'être financé sur l'action 2 pour la coopération entre institutions. L'idée, c'est que les institutions devraient trouver un moyen de coopérer qui soit durable, qui rend plus effectif et plus efficace des deux côtés, les organisations qui sont plus expérimentées et les organisations des pays tiers qui devraient en profiter plus pour apprendre et devenir apprendre des pratiques innovantes, se renforcer, construire des procédures qui pourraient avoir été inspirées, qui devraient avoir été inspirées par la collaboration avec d'autres organisations. Je vais assez vite parce que sinon je n'aurai pas le temps de vous donner les infos pratiques, donc je cours sur les premières. Comme je vous disais, renforcer les capacités. Très importants sont les instruments, l'outil de l'apprentissage non formel est certainement un outil clé. Donc, l'idée, évidemment, c'est d'apprendre à travers l'échange, à travers les mobilités, à travers l'apprentissage pendant qu'on fait les choses, pendant qu'on met en pratique, en œuvre le projet soi-même. Il y avait jusqu'à 2021, la coopération était entre la région, disons, européenne plus les pays associés au programme et toutes les régions du monde. C'est encore le cas de quelques actions Erasmus+, mais ce n'est plus le cas pour renforcement des capacités. Vous avez la chance, le Maroc a la chance de faire partie de la région 3 des pays de la Méditerranée du Sud. Et donc, ce n'est que les pays des Balkans, région 1, et les pays de la Méditerranée du Sud, région 3, qui sont admis et qui sont donc éligibles dans ce cadre. Si vous prenez le temps de donner un coup d'œil au guide du programme, chose que je conseille de faire si vous pensez de soumettre un projet, parce que là, c'est vous trouvez toutes les infos dont vous avez besoin. Vous trouverez des thématiques spécifiques pour l'action qui
qui reviennent, parce que évidemment, sont cohérentes avec les priorités du programme, mais qui ajoutent des intuitions de plus. Par exemple, pour les pays de Balkans, la paix et la réconciliation après le conflit, c'est super important. L'environnement et le climat pourraient par contre être très importants pour les pays de la Méditerranée du Sud, qui risquent de devoir leur partie désertique avancer vers encore plus. Quand vous présentez une proposition, quand vous commencez à écrire une proposition, vous devez garder en tête non seulement tous les priorités, les objectifs que le programme voudrait obtenir à travers les projets qu'il finance. Donc, ça, c'est un peu la logique. Le programme a des objectifs et vous êtes les projets, vous et donc les institutions qui participent au projet, sont les outils de la Commission pour mettre en œuvre ses propres pratiques. C'est une responsabilité, mais c'est aussi un défi. Un défi positif, être acteur d'un changement pareil qui a à voir avec la démocratie, l'inclusion, la coopération. C'est pas que des mots qui remplissent la bouche de qui les emploie, c'est vraiment les bases de l'action que vous pourrez mettre en œuvre. Mais quand vous écrivez, vous passez de toute la théorie, vous mettez toutes les priorités, vous les croisez avec votre idée pratique de projet, vous devez garder en tête que votre demande de financement sera évaluée selon 4 critères d'attribution, qui sont l'impact, la pertinence, la qualité du partenariat et des modalités de coopération, et la qualité de la conception et de la mise en œuvre du projet. Ça veut dire que vous devez remplir votre demande selon ces 4 blocs, garder en tête que votre demande de financement sera évaluée selon ces critères. Et que, évidemment, puisque le budget ne suffit pas à financer tout le monde, le plus de points vous pouvez recevoir pendant l'évaluation, le plus vous aurez de la chance d'être financé, donc de pouvoir mettre en œuvre votre projet. Il y a évidemment des seuils. Donc, un projet peut recevoir du financement seulement s'il reçoit au moins 60 points et au moins 50% du maximum pour chaque critère d'attribution. Donc, vous ne pourriez pas être financé si la pertinence de votre projet, dont le maximum est 1 point, prend 12 points. Ça veut dire que votre projet est trop faible, n'est pas assez pertinent par rapport aux objectifs de l'action, et donc que les évaluateurs considèrent qu'il ne faut pas... Il n'est pas le cas de le financer. Pour ce qui concerne le 2022, ça, c'est le budget complexif. On a 6,5 millions pour les deux actions. Pour la région 3, c'est 3,5 millions. Si vous considérez que le maximum qu'on peut donner pour un projet, c'est 300 000 euros, comme vous voyez, on peut au moins financer 11 projets. Je vous dis que normalement, les projets ne sont pas tous au maximum de ce qu'on peut demander pour le projet. Et donc, que normalement, on arrivera à financer une quinzaine de projets facilement. Les projets ont une durée de 1, 2 ou 3 ans. Et le financement varie entre 100 000 et 300 000 euros. La nouveauté, la plus grande nouveauté pour le 2022 par rapport à l'année passée, c'est que les organisations des pays partenaires, des pays tiers, donc de la région 1 et de la région 3, dont le Maroc, peuvent être demandeurs. Ça, c'est disons un défi de plus.
Parce qu'en prenant la coordination du projet, vous avez aussi la responsabilité de la coordination, non seulement de la demande, mais de toutes les activités, et aussi de la gestion du financement. C'est, personnellement, je conseille aux organisations qui sont toutes nouvelles, qui n'ont jamais participé à aucun projet, de ne pas se lancer à être directement demandeur, parce que c'est un gros défi, c'est quand même une responsabilité, l'administration pèse lourd, et il y a quand même une façon de concevoir les choses qui n'est pas immédiate. Donc, si vous êtes des organisations qui n'ont jamais participé à un projet financé par l'Union européenne, et dans le cadre d'une action qui vise au renforcement des capacités, je vous conseillerais de participer en tant que partenaire et pas en tant que coordinateur, leader du projet. Ça vous donnerait la possibilité vraiment d'apprendre de quelqu'un qui peut-être a plus d'expérience que vous, et ça vous permettrait de vous lancer pour l'année prochaine ou dans 2 années ou quand vous voudrez avec une structure plus solide et des compétences qui sont plus structurées. Vous auriez déjà l'expérience. Et l'expérience, comme on le sait, non seulement les organisations, mais aussi les individus qui ont participé dans les actions Erasmus, c'est fondamental et ça fait partie de l'apprentissage non formel qu'on soutient de tout cœur. Je vous donne encore une info qui est assez importante. Et je dis ça parce que l'année passée, évidemment, ce n'était pas assez clair et donc il y a eu des soucis au moment du contrôle de l'éligibilité. Un projet doit avoir au moins 4 partenaires pour être considéré valable et donc passer à la phase ultérieure qui est celle de l'évaluation de contenu. Il doit y avoir au moins une organisation de 2 États membres ou pays associés au programme. Ça veut dire, je donne un exemple, il faut une organisation italienne et une organisation allemande. 2 organisations de 2 États membres différents. En plus, il faut 2 organisations d'au moins un pays tiers éligible. Disons, on peut avoir 2 organisations du Maroc, ou une organisation marocaine et une organisation d'un autre pays qui est éligible. Ça veut dire d'un pays qui fait partie de la région 1 ou de la région 3. Ça aussi, par rapport au passé, a changé. Les partenariats interrégionaux sont autorisés. Donc, pour avoir un projet éligible, j'ai 2 pays européens, disons, et après, je peux avoir 2 organisations marocaines ou je peux avoir une organisation marocaine et une tunisienne ou une organisation marocaine et une, je ne sais pas, albanaise ou kosovare. Ça veut dire que je dois avoir au moins 4 participants. Mais il y a aussi un deuxième critère d'éligibilité, un deuxième élément de ce critère d'éligibilité et qui est que le nombre d'organisations des États membres, donc des pays européens, disons, ne doit pas être supérieur au nombre des organisations des pays tiers. Ça veut dire que si, à la place d'avoir seulement France et Allemagne, Italie et Allemagne, j'avais aussi la France, ça veut dire 3 pays européens, je devrais au moins avoir 3 organisations des pays tiers pour que mon projet soit considéré éligible. Donc, faites attention à construire le partenariat, donc à créer des relations de façon que ce critère soit respecté. C'est une tristesse pour nous de devoir bloquer des projets qui auraient pu avoir un chouette contenu rien que parce qu'ils n'ont pas respecté un des critères qui donnent accès à la possibilité d'être évalué. Donc, c'est pour ça que lire et connaître bien le guide de programme, c'est fondamental.
Je vous ajoute une info, mais je crois que ça fera partie avec plus de détails de la prochaine étape dont Latifa m'a parlé. Ça veut dire passer aux pratiques, comment écrire une application. Là, je vous donne seulement les éléments plus généraux. Sur le portail, qui est l'outil dans lequel vous devrez encoder votre demande et duquel vous enverrez votre demande, il y a la possibilité de chercher des partenaires ou de s'inscrire en tant qu'organisation disponible à devenir partenaire dans le cadre de l'action renforcement des capacités. Donc, quand je viendrai vous parler de comment écrire l'application, je vous la demande de financement. Désolée, c'est la première fois que je fais une présentation en français. Quelques mots d'anglais ici par là m'échappent. Quand je viendrai vous parler de ça, je vais vous montrer où sont les boutons où vous pouvez chercher des partenaires ou vous offrir en tant que partenaire d'un projet. Évidemment, si par contre vous êtes des organisations expérimenté, que vous avez déjà participé à des projets financés par la Commission et que vous avez un réseau dans d'autres pays et que vous savez déjà qui contacter pour mettre en œuvre votre projet, c'est très bien, commencez à le faire parce qu'il faut quand même assez de temps pour pouvoir écrire une demande que soit cohérente et solide assez pour être prise en considération. Et je vous dis de faire vite parce que la date de soumission est le 7 avril. Donc, il vous reste un mois et demi, pas plus. La sélection part le jour de la date de soumission, continue un maximum de 5 mois. Et au bout des 5 mois, toute organisation reçoit une notification dans laquelle on communique si le projet a été rejeté, approuvé ou si est dans la reserve list, dans la liste des réserves. Toutes les communications, maintenant qu'on travaille dans ce portail, seront lancées dans le portail même. Donc, il faut là aussi avoir le temps de s'habituer un peu à comprendre comment fonctionne cette machine impossible que la première fois qu'on la regarde, on pense que quelqu'un est devenu dingue pour nous faire quelque chose pareil. Non, je vous cite un collègue qui dit « c'est pas difficile, c'est nouveau ». Et c'est vrai, c'est nouveau. Mais une fois qu'on s'habitue, vous verrez qu'il y a plein d'avantages à avoir un système unique qui gère tout, qui gère la demande, qui gère l'évaluation, qui gère aussi la phase du contrat, la phase de monitoring. Tout est dedans. L'idée, évidemment, c'est de signer les contrats avec les projets qui sont sélectionnés avant la fin de l'année et vous permettre de commencer à travailler à partir du début de janvier ou en tout cas à partir de 2023. Je vous avais préparé un slide avec plus de liens que j'ai envoyé à Latifa et Latifa, j'espère que pourra vous la mettre à disposition dans le file que j'ai envoyé à elle. Il n'y a pas seulement le lien au guide du programme qui est là, mais il y a aussi 2 liens qui sont sur l'enregistrement de l'Info Day qu'on a fait pour non seulement pour notre mesure, mais pour les mesures jeunesse gérées par mon unité. Vous trouverez là plein d'infos qui incluent aussi toutes les infos techniques de comment écrire, où aller, quel est le lien pour le portail, comment compléter le budget, etc. Mais je veux bien venir vous raconter tout ça quand ce sera le moment. Et je vous laisse, donc vous avez l'enregistrement et vous avez la présentation. Donc, 2 liens différents qui vous devez prendre un peu de temps, mais qui pourraient vous donner plein d'infos et peut-être vous laisser des questions que je pourrais répondre non seulement la prochaine fois, mais aussi si vous les écrivez à ça, qui est l'adresse de la boîte fonctionnelle de mon unité,
on va vous répondre. Donc, si vous êtes partant pour envoyer une demande de financement dans cette action, gardez cette adresse mail à l'œil parce qu'on pourra vous soutenir. Évidemment, on ne peut pas vous donner des opinions sur le contenu de votre projet, mais on peut vous aider à résoudre les problèmes que vous pourriez trouver ici par là pendant la phase, le processus d'écriture de la demande. J'ai fini mon temps, j'ai fini mes slides. Je vous remercie. Est-ce qu'on a, Latifa, un moment de questions and answers? Oui, tout à fait. Alors, nous avons déjà une question, peut-être que tu pourras, à laquelle tu peux répondre déjà. Je te remercie beaucoup, Claudia. Y a-t-il, alors, on va commencer déjà par le début. Quelles actions sont actuellement ouvertes? C'est ce qu'on va présenter, c'est le BASET. Donc, il y a déjà celle-ci, le renforcement de capacité, qui est complètement destiné, comme l'a expliqué Claudia, aux associations des pays tiers, comme le Maroc. Et j'avais une question que je viens de voir sur, serait-il possible de travailler dans ce cadre de renforcement de capacité avec des associations qui opèrent dans le sport, les associations sportives? Est-il possible de... Tout à fait. Mais comme vous pourriez voir sur le guide de programme, il n'y a pas qu'un renforcement de capacité pour la jeunesse. Il y a une action qui s'appelle renforcement des capacités dans le milieu du sport. Donc, c'est évident qu'il y a la possibilité d'envoyer une demande pour le sport et la jeunesse dans notre cadre. Mais si c'est sport, franchement, je pense que ce serait plus cohérent de présenter cette demande de financement dans le cadre de l'action sport et pas jeunesse. À vous de voir. Sauf que ce n'est pas encore éligible pour le Maroc, le sport, cette année. Peut-être l'année prochaine, en effet. Ah non? Ça non, pas encore. Okay. Normalement, c'était prévu que ce soit cette année, mais à cause de la COVID, donc, il y avait plus d'argent. Donc. Et donc, allez-y, oui, proposez chez nous. L'important, c'est que le sport soit un outil pour un but final qui est plutôt jeunesse et pas sportif, disons. Tout à fait. Je crois que c'est tout ce qu'on avait comme... Oui, on va partager un email détaillant les différents outils. Seb Delbast, on va répondre à votre question là tout de suite en présentant les autres actions justement éligibles pour les associations marocaines. Oussama, est-ce qu'on peut avoir des informations sur la certification Erasmus? Oui, ça va venir. De nous envoyer un courrier. Voilà, donc je crois que les problèmes de mobilité, de visa, on va en parler tout à l'heure parce qu'on est fait, ou peut-être là tout de suite, hein. Sur les visas, c'est vrai que la délégation de l'Union européenne, et j'espère que Sophie est là parce qu'on les remerciera jamais pour tout le soutien qu'ils nous accordent sur des questions de visa, que ce soit sur le volet jeunesse ou sur le volet enseignement supérieur. Mais ceci dit, par moment, bon, ben, il faut dire que bon, il y a un certain nombre de procédures à respecter, donc il faut rester vraiment sur ce qu'on demande pour les visas. Et bien sûr, le coup de pouce de la délégation, il peut aider pour avancer un rendez-vous, pour expliquer l'aspect financier, etc. Mais il faut caler au maximum quand même avec la procédure exigée par les pays. Mais nous remercions vraiment la délégation qui fait un super boulot en nous aidant à chaque fois sur des questions de visa. Si je peux ajouter quelque chose, pour les projets financés, nous aussi de l'agence à Bruxelles, on est disponible pour préparer des lettres d'invitation dans lesquelles nous, on confirme que sont signées par nous et c'est nous qu'on confirme que les mobilités des étudiants ou des travailleurs sont dans le cadre d'un projet financier. On fait ce qu'on peut
parce que je ne sais pas si tout le monde le sait, mais je le dis, pour tout ce qui est migration et donc visa et mobilité avec les pays tiers, la Commission n'a pas de délégation dans le sens que c'est les pays membres, chaque pays, qui a ses propres règles et n'a pas, disons, il n'existe pas une politique commune et ce n'est pas la Commission qui peut choisir. Donc, nous, on a un peu les mains, on n'est pas vraiment très, très libre de faire comme on voudrait, mais... Sachez que nous aussi, quand on peut, on vous soutient. Tout à fait. Et je dois dire également que les services consulaires et les pays, les ambassades des pays sont très, très coopératives également. Voilà, on les remercie d'ailleurs parce qu'ils nous aident énormément également sur tous ces aspects de visa. Jusque-là, franchement, on n'a jamais eu de refus sur des étudiants ou des jeunes pour partir à l'étranger, et ce, malgré la situation de blocage qu'il y avait au niveau du monde entier au moment de la Covid. Hein. C'est-à-dire que nos étudiants, ils partaient sans aucun problème et leur dossier était traité au niveau des consulats. Merci beaucoup, Claudia. Donc, merci à vous. On a peut-être juste pour rassurer un peu les troupes, l'action qui a été présentée par Claudia, c'est une des quatre actions qu'on va présenter, ouverte aujourd'hui pour les associations marocaines. L'objectif est d'accompagner les associations des pays tiers, le Maroc, la Tunisie, côte à côte avec les pays européens. Donc, c'est une action, encore une fois, de renforcement de capacité. Si vous souhaitez développer de nouveaux outils, de nouvelles méthodes d'accompagnement des jeunes, etc. On avait avec nous Amine Khaldi, donc on avait un témoignage quand même, Amine Khaldi qui allait présenter ce projet-là auquel il avait participé. C'est un projet de renforcement de capacité, Smito Step by Step Towards Entrepreneurship. Et l'idée, ce sont des associations qui travaillent avec l'entrepreneurship, il y a l'entrepreneuriat. Et l'idée, c'était de développer de nouveaux outils pour accompagner les jeunes en termes d'entrepreneuriat. Donc le projet, donc il y avait la Grèce, l'Italie, il y avait la Jordanie, la Tunisie, le Maroc, et le type d'activité, juste pour vous donner peut-être une idée, il devait être parmi nous pour vous expliquer lui-même les tenants et les aboutissants du projet, mais malheureusement on lui souhaite vraiment un bon rétablissement. Ils ont développé un training course pour les trainers pour l'entrepreneuriat. Ils ont développé également une toolbox avec des méthodes de training en 6 langues, l'anglais, l'arabe, le français, etc. Ils ont créé la plateforme où ils l'ont fait à travers des mobilités de formateurs. Limshaw, ils avaient organisé des trainings en Tunisie, des trainings en Grèce, des trainings au Maroc, etc. Où les associations opère encore une fois dans tout ce qui est en tout cas accompagnement des jeunes pour l'entrepreneuriat spécifique pour ce qu'on appelle les NEET, c'est-à-dire chebab li ma kayqraw ma kay li ma kayqraw ma khdamin, etc. Donc juste encore une fois pour vous amener rapprocher had la fikra dial achna huma had les projets de renforcement de capacité. Kan également un autre projet li kan maana aidan Nabil Amin li kan ghadi yqdmou lina huwa wahed le projet ala l'immigration et comment sensibiliser, augmenter la prise de conscience de l'immigration clandestine à travers l'art. Ou quand nous avons une mjmoua ديال ils ont pu financer une survey, une étude, ils ont organisé des trainings ديال les formateurs et les éducateurs et les young leaders, les jeunes leaders de 10 jours qu'ils ont organisé en Grèce par exemple. Ils ont également organisé des trainings pour les jeunes leaders encore une fois en Tunisie. Ils ont créé l'outil pédagogique, etc. Donc encore une fois pour vous donner une idée, est-ce qu'on a des projets de renforcement de capacité, qu'est-ce que ça peut financer? C'est le développement de nouvelles méthodologies. On peut imaginer, par exemple, un projet, et là, je m'adresse à Sfouane, à Sé Mohamed Jadri, elle est là, un projet de renforcement de capacité pour accompagner les associations pour, notamment, elle est là, tout ce qui est rédaction de projets, internationalisation, etc. Ça peut être vraiment un projet humain. Les associations
Encore une fois, c'est vrai que le 7 avril, ça se rapproche pour cette année, mais il y a l'appel à la radio qu'on connaît. Donc, on peut déposer chaque année par rapport à nos besoins. Encore une fois, le renforcement de capacité est taillé. Là, les besoins d'IEL, je me disais, non, aujourd'hui, est-ce normal, je suis en termes de compétences, etc., pour travailler sur un domaine qui m'a fait non pour l'entrepreneuriat d'un projet, développer tout un tas de méthodes, etc., pour les éducateurs, etc. Donc, voilà, pour les gens qui ont posé des questions sur des ateliers, l'idée, c'est justement d'organiser par la suite des ateliers pour ceux qui sont intéressés par la dynamique. Donc, ils peuvent vraiment être porteurs d'idées. N'hésitez pas à nous envoyer des emails. On peut également organiser, à mon avis, ou la CGDRIMANA, ou SWAN et tous les autres, les 158 personnes d'IMANA. Aujourd'hui, les chemins dirigent des petits consortiums nationaux ou TAUNO, qui m'appellent Claudia. Voilà, ça demande un certain nombre de compétences, etc. Mais aujourd'hui, tous les bailleurs de fonds, aujourd'hui, là, c'est Mohamed, c'est ce qu'on est confirmé au Adelkadi. Il y a tout le monde, c'est vrai, et il y a des rédactions de projets. Aujourd'hui, c'est un passage qui est obligé pour chercher de l'argent, etc., et pour créer de nouvelles opportunités pour nous. Donc, comme a dit Claudia, nous pouvons mettre un projet en tant que Marocain. C'est possible, on a des associations, mais également, nous avons des Européens, donc les Européens ils peuvent aider dans la rédaction, etc. Et donc, c'est un travail, encore une fois, des lois ou coopératif. Et l'objectif, encore une fois, c'est de s'entraider et de créer toute une dynamique autour de ça. Avant de passer, donc ça, c'est le renforcement de capacité. On va bien sûr vous envoyer des liens, notamment le lien de la page web qu'on a créée pour Aide l'Action. En plus, des éléments vraiment très précis avec le lien d'IEL, la page les membres qui ont été offerts, d'autres projets qui ont été déposés dans le renforcement de capacité, où les cadres ont tout quelques idées de ces projets-là. Est-ce normal d'avoir les membres qui ont qu'est-ce que ça peut concerner? Ou les qui mettent message. Encore une fois, les projets de renforcement de capacité, ils tournent autour de vos besoins. Nous sommes venus comme le besoin FINAXCOM du renforcement de capacité, FINAXCOM en termes de compétences d'IEL comme une somme. Pour mieux accompagner les jeunes dès que le domaine d'une somme que tu t'arrives au fil. L'inclusion aujourd'hui, au Bruxelles, Mathélène, c'est développer les compétences de vos éducateurs pour accompagner les jeunes en situation de handicap. On peut monter un projet dans ce sens, etc. Ou encore une fois, la Kenin, des domaines thématiques comme ce qu'a présenté Claudia. Donc, il y a des domaines thématiques avec les domaines transversaux, l'environnement, le numérique, l'inclusion aujourd'hui. Là où, dès que les projets, il faut ajouter la louche, la louche. Les trois domaines, on va dire, transversaux, les priorités de l'Union européenne qu'elles implémenteront à travers toutes les actions d'IAOLA, tous les projets. Je vais essayer de répondre à certaines questions, mais on va passer à l'autre action. C'est le corps européen de solidarité. Je donnerai la parole à Sidi Mohamed Jadri pour nous présenter le corps européen de solidarité. Ensuite, je vais partager avec vous les projets de mobilité des individus, une autre action, d'accord. Et puis, on va terminer avec l'échange virtuel Erasmus, qui est une petite action, comme son nom l'indique, c'est sur les échanges virtuels pour accompagner les échanges réels. Et donc, sans trop tarder, je passe la parole à Sidi Mohamed. Sidi Mohamed, on a eu pas mal de questions sur l'accréditation. Également. Donc voilà, donc je vous le dis tout de suite parce que peut-être au fur et à mesure, vous pourrez également toucher un petit quelque chose sur ça. On n'arrive pas à vous entendre. Je crois que vous avez un petit souci de micro. Peut-être que non. Imen, tu arrives à entendre? Allô? Ah, maintenant c'est bon. Maintenant c'est parfait. Très bien.
Bonjour tout le monde. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Latifa, pour cette invitation-là, pour assister avec les associations marocaines qui sont intéressées par les questions de mobilité, quelles que soient en matière de renforcement de capacité, d'échange de jeunes, de volontariat de courte durée, de volontariat de longue durée. Donc, ça va être l'occasion. Ça va être, je ne sais pas si Madame Latifa a question ou non, mais c'est un ensemble. Une série d'ateliers qu'on va organiser. Donc, ce n'est que le premier atelier qu'on est en train d'organiser, mais il y aura d'autres ateliers qui vont être organisés, je pense, une fois tous les 15 jours, tous les 2-3 semaines. Donc, ce premier atelier-là, c'est pour vous donner une idée sur le corps européen de solidarité. C'est un peu difficile avec une première présentation d'assimiler tous les éléments, mais ce n'est qu'une sensibilisation au corps européen de solidarité. Et par la suite, ça va venir avec le temps pour parler de toutes les questions d'accréditation, comment monter un projet de volontariat, comment recruter un jeune, etc., etc. Donc, premièrement, aujourd'hui, on va essayer de présenter le corps européen de solidarité. Donc, l'objectif principal du corps européen de solidarité, c'est que par la suite, on aura des jeunes formés, mobilisés pour être actifs dans la société. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne a mis à disposition des États membres de l'Union européenne un corps qui s'appelle le corps européen de solidarité, qui se base sur le socle du service volontaire européen, qui ça fait maintenant plus que 20 ans qu'il existe. Donc, le corps européen de solidarité, il a capitalisé sur l'expérience du service volontaire européen pour parler. L'essentiel, c'est pour aider à acquérir une expérience inestimable et à répondre à des besoins pour la société européenne, etc. Vu que le Maroc et les pays de bassin méditerranéen sont des partenaires de l'Union européenne, donc aussi, ils bénéficient cette opportunité du corps européen de solidarité. Donc, c'est quoi le corps européen de solidarité européen? C'est pour, premièrement, c'est pour qui? C'est pour les jeunes entre 18 ans et 30 ans et pour les organisations. Lorsqu'on parle des organisations, soit les organisations qui vont envoyer des volontaires, soit les associations qui vont accueillir des volontaires. Donc, il y a deux types d'actions. On parle aussi, on parle de quoi? On parle de volontariat, on parle de stage, et on parle aussi d'emploi. Pourquoi? Parce que les enjeux, quels que soient les pays européens ou bien les pays méditerranéens aussi, c'est pour répondre à les défis sociétaux et aussi pour offrir aux jeunes l'occasion d'apprendre et de se former. On sait très bien que la mobilité, c'est un élément très, très, très important pour les jeunes, pour acquérir de nouvelles compétences, d'aller s'ouvrir sur une autre culture, avoir, déconstruire quelques stéréotypes, etc. etc. Et juste pour information, les jeunes qui ont bénéficié d'une opportunité de mobilité, quelle que soit courte durée, moyenne ou longue durée, leur taux d'insertion au marché d'emploi est assez élevé par rapport aux autres jeunes qui n'ont pas bénéficié d'une mobilité. Ça, ce sont des chiffres empiriques prouvés par des études scientifiques, que ce soit ici au Maroc ou ailleurs. On parle de quelle thématique? On parle presque de thématiques parce que dans l'éducation, il y a aussi c'est une thématique qui est transversale. On parle de la santé, la jeunesse, le sport, le soutien pour les migrants, la protection de l'environnement et le développement durable. La prévention des catastrophes, c'est-à-dire qu'il y a plein de... Je pense pas qu'il y ait une association marocaine qui ne va pas se trouver dans ce cadre-là. Parce que lorsqu'on parle démocratie, participation de la femme, jeunesse, animation socioculturelle, culture, accès au sport, etc., ils vont se retrouver dans ces thématiques-là. Par la suite, le corps européen de solidarité, il offre l'occasion, quel que soit pour les associations européennes, les organisations plutôt européennes, ou bien les organisations, on parle maintenant marocaines, deux types d'actions intéressantes. La première, c'est le volontariat individuel, c'est-à-dire qu'une association marocaine, elle va envoyer un jeune marocain en Europe, en Portugal, en Italie, en France ou ailleurs, pour travailler avec cette organisation partenaire en Europe pour une durée entre deux mois et 12 mois.
c'est-à-dire voilà, entre 2 mois et 12 mois. Et même parfois, on peut y aller sur quelques actions de courte durée de 2 semaines. Mais non, à travers notre petite expérience, on voit qu'il faut faire partir le jeune à partir de 6 mois parce qu'il y a un temps d'intégration, de compréhension, de plein de choses. Donc, comme ça, pour que l'apprentissage se fait dans le temps. Donc, c'est entre 2 mois et 12 mois. Ou bien, on peut faire envoyer des équipes de volontaires. Par exemple, on peut faire un échange de jeunes entre un groupe français avec un groupe marocain, ou bien un groupe français italien avec un groupe marocain et tunisien, 2 plus 2, ou bien 3 plus 3, ou bien 4 plus 4. À chaque fois, il faut avoir l'équilibre entre les pays européens et les pays du bassin méditerranéen, ou bien juste 1 plus 1, un partenaire marocain avec un partenaire italien, espagnol, portugais, allemand, etc. Donc, les équipes de volontariat sont des groupes entre 10 et 40 jeunes, au moins 2 pays. Ils peuvent effectuer une mission de volontariat sur une période de courte durée. C'est pour cela qu'on parle d'un échange de jeunes, d'un chantier de solidarité internationale, d'une mission très, 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 très ponctuelle. Ce qui est intéressant dans ce programme-là, c'est que c'est un programme qui prend en charge presque à 100% les frais liés au voyage, c'est-à-dire on prend en charge les frais de visa, on prend en charge les frais d'assurance, le transport de porte à porte, c'est-à-dire le transport national ici au Maroc, le transport international pour rejoindre la France, l'Italie, l'Espagne, etc., et aussi le transport national dans ce pays-là pour aller dans une zone bien déterminée. Par exemple, je parle d'un jeune qui va partir de Tchelouin vers Marseille en passant par Paris. Donc, le transport de Tchelouin à Casablanca, à l'aéroport de Casablanca, est pris en charge. Par la suite, le billet d'avion est pris en charge, par exemple, entre Casa et Paris. Et par la suite, s'il y aura un transport national entre Paris et Marseille, par exemple, en train, en bus aussi, il est pris en charge. Juste pour illustration, pour que tout le monde, les associations et les jeunes comprennent de quoi s'agit-il. Bien sûr, aussi, il y a des tarifs, il y a une grille qui définissent les forfaits de remboursement, etc. Donc, ça, tout ça, vous pouvez le voir dans le guide du programme Corps européen de solidarité qui se trouve en français, en anglais et avec d'autres langues. Donc, dans le passé, il n'y avait pas, c'était éligible pour toutes les organisations, quelles que soient organisations européennes ou marocaines. Par la suite, dans un deuxième temps, donc le service volontaire européen, il a passé l'accréditation au niveau de l'Europe, c'est-à-dire que seulement les organisations européennes qui devraient avoir une accréditation pour être éligibles au programme, et les associations marocaines et méditerranéennes n'étaient pas censées avoir une accréditation. Par la suite, voilà, il y avait pas mal de soucis, pas mal de problèmes de qualité, de gestion, de gestion de projet, pas mal de choses. Donc, c'est la raison pour laquelle le Corps européen de solidarité, il a unifié la règle. Et maintenant, pour être éligible dans ce programme qui est le Corps européen de solidarité, il faut, quel que soit l'organisation européenne ou bien l'organisation marocaine, ait le label qualité. C'est en quelque sorte la clé pour entrer dans ce programme de corps européen de solidarité. Donc, la première étape pour les organisations marocaines, c'est d'avoir ce label qualité. Ça, c'est le prérequis. Et par la suite, bien sûr, par la suite, il aura pour y aller avec d'autres programmes. Donc, comme il a dit Madame Latifa, malheureusement, au Maroc, il n'y en a que 16 organisations qui sont labellisées. Je vais partager ça avec vous. Vous voyez la base de données? Donc voilà, donc ici, une fois, on va chercher ici, par exemple, Germanie. Voilà, il y en a 456 à cette organisation qui est labellisée. Mais lorsqu'on va faire Maroc, donc il n'y en a que 16 organisations qui sont labellisées. Il y a une association voilà, à côté de Zagora, il y a Ataroudent Amodo, il y a Espace Volontariat de Oujda, il y a l'association Aïcha Agoulmim, il y a Chifa Tanger, les Jeunes Méditerranéens. Il y a Essaaf Jada à côté de Oujda, Nebta à la région de Rabat, CSM, Association marocaine, tout le Maroc,
les enfants de l'Oval, c'est à Rabat, Masterpiece, c'est à Marrakech, Méditerranéenne, Moroccan Friends, voilà, on a la chance d'avoir Safwan avec nous de Moroccan Friends Foundation. Donc, ce sont des organisations qui ont maintenant le label. C'est quoi l'avantage de ce label-là? Premièrement, il vous donne l'accès à être éligible pour bénéficier de ce programme, quel que soit le volontariat individuel ou bien le volontariat de groupe. Mais le plus grand avantage, c'est qu'une organisation allemande ou bien une organisation italienne ou bien une organisation espagnole, il ne peut pas construire un projet avec une association marocaine qu'avec ces 16 organisations qui sont là. Donc aujourd'hui, nous sommes trouvés dans une situation très, très, très délicate parce qu'il y a des jeunes marocains qui postulent pour des missions de volontariat au niveau international. Ils trouvent un partenaire en France, mais le problème que se pose, il faut passer par des organisations marocaines. Il y en a des organisations marocaines qui acceptent de parrainer ces jeunes-là pour y aller, mais il y en a d'autres qui ne souhaitent pas parce que c'est une question de garantie, c'est une question de confiance avec le jeune, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, je vous invite vivement à aller voir, premièrement, le guide du corps européen de solidarité, premièrement, et deuxièmement, pour les organisations qui sont intéressés d'avoir le label qualité pour être éligible, voilà, quel que soit le bureau d'Erasmus Plus ici au Maroc, quel que soit nous à France Volontaire, ou bien les organisations qui ont le label, je parle d'Amoudou, je parle de Moroccan Friends Foundation, ils sont là pour vous aider, pour vous expliquer. On peut vous envoyer des exemples de formulaires à remplir pour avoir plus d'informations dans ce sens-là. Donc, c'est un programme assez intéressant qui donne l'occasion à des jeunes Marocains d'aller dans toute l'Europe pour bénéficier d'une mission de volontariat sur une thématique bien précise de 2 mois, 3 mois, 6 mois, jusqu'à une année. Et aussi, l'âge, il est assez important parce que, voilà, c'est jusqu'aux 30 ans. Et je pense que, voilà, pour les étudiants, pour les travailleurs sociaux, pour les agents de développement qui ont entre 18 ans et 30 ans, c'est une vraie occasion et une vraie opportunité pour eux d'aller en Europe pour bénéficier d'une autre expérience internationale. Et aussi l'occasion pour les organisations marocaines qui veulent avoir des ressources humaines qualifiées, avec un moindre coût, avec une autre lecture interculturelle, une autre manière de faire les choses. C'est ce brassage-là qui fait évoluer les structures marocaines. Et moi, à travers France Volontaire, on connaît pas mal de structures marocaines ici au Maroc qui ont fait appel à des volontaires internationaux. Ce sont des volontaires qui ont permis à ces structures-là d'aller vers l'avant, pas parce que ce sont des volontaires expérimentés ou bien qui y arrivent avec un savoir-faire, mais c'est plutôt qu'ils arrivent avec une autre manière de faire les choses, c'est une autre manière de voir les choses, c'est toute cette question d'interculturalité qui fait évoluer les organisations marocaines vers l'avant. Donc voilà, ça c'est un petit aperçu sur le corps européen de solidarité pour avoir plus d'informations. Et par la suite, voilà, je pense, dans un deuxième atelier, on va parler en détail du label qualité corps européen de solidarité. Et bien sûr, vous avez nos coordonnées, nos bureaux sont sur Rabat, si vous passez par Rabat. Nous aussi, on fait pas mal de missions sur le terrain. Vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas de faire appel à nos services. Et nous sommes là pour accompagner les structures marocaines à avoir ce label-là pour, quel que soit, faire envoyer des jeunes marocains en Europe ou bien faire venir des jeunes européens. Cette database, elle est intéressante parce qu'elle fait déjà le networking entre plusieurs organisations gratuitement et très, très, très facilement parce qu'il suffit pour une association marocaine qui rentre dans la base de données, et il voit le pays, quel type il veut travailler, dans quelle ville précisément, et il va voir. Voilà une structure avec laquelle il peut collaborer, il peut monter un projet. C'est un partenariat gagnant-gagnant, win-win, entre organisations européennes et organisations marocaines, parce que tout le monde trouve son intérêt et trouve son plaisir pour monter un projet. Et moi, je pense, Safwan, il va parler par la suite,
avec la fondation, une fois qu'ils ont l'accréditation, ils ont été sous pas mal de partenaires au niveau de l'Europe qui viennent. Votre audio, on n'arrive plus à vous entendre correctement, si Mohamed. J'arrête à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des questions? Ma screen est bien grave. Elle saute, oui. Je crois qu'il y a juste un petit souci. Allez-y. C'est bon maintenant? Non? Ah oui, parfait. Là, ça très passe. Bien, très bien. Donc, comme j'ai dit, pour par exemple, la base de données, elle sert à plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que l'organisation marocaine elle est inscrite dans le database de l'Union européenne. Deuxièmement, ce sont les organisations européennes qui sont à la recherche de partenaires dans le bassin méditerranéen. Donc, ils vont vous trouver facilement. Et le troisième élément qui est essentiel, c'est que il y a déjà l'élément de confiance, parce que pour avoir le label qualité, vous passez par un processus de qualité. Donc, l'organisation européenne, et c'est très bien que l'association ou bien la coopérative ou bien le club dans la fac ou autre type d'organisation et là les capacités pour monter, pour gérer, pour accompagner les jeunes, quel que soit, pour partir en Europe ou bien pour revenir ici au Maroc. Un dernier élément par rapport au visa, parce que c'est un élément qui revient toujours. Moi, je confirme ce que Madame Latifa a expliqué. Nous, par exemple, à France Bancaire, on n'a aucun refus, quel que soit pour les jeunes qui partent en France ou bien en Europe, parce que, surtout pour l'Europe, parce que ce programme-là, c'est un programme financé par l'Union européenne et il y a la Commission européenne derrière. Donc, il y a la confiance, il y a l'engagement, il y a la garantie de l'Union européenne derrière. Il y a de l'argent mis pour ces projets-là. Donc, ils ne peuvent pas donner de l'argent par la main droite et bloquer les volontaires de faire mobilité avec la main gauche. Merci beaucoup. Je suis là pour répondre s'il y a des questions. Et bien sûr, par la suite, voilà notre page Facebook, par WhatsApp, par téléphone, par mail. On est à votre disposition pour tout complément d'information, pour vous accompagner dans l'élaboration et pour le formulaire, parce que ce n'est pas facile aussi de remplir le formulaire, mais on peut faire des sessions, surtout maintenant avec tout ce qui est à distance. Donc, il y a les moyens techniques pour accompagner les organisations marocaines. Il suffit d'avoir la volonté et l'engagement pour avoir ce label-là. Et merci. Merci beaucoup, Sidi Mohamed. Chokran jazilan. Merci beaucoup. Et comme l'a dit Sidi Mohamed, ce qu'on est en train de discuter, ce qu'on a déjà discuté avec France Volontaire, avec la DUE, c'est vraiment d'organiser un cycle. Donc d'ailleurs, on l'a appelé comme ça. Donc un cycle. On va commencer par cette info session parce qu'il y a plusieurs choses. Et il faut déjà. On n'a pas tous le même niveau d'information par rapport à toutes ces actions-là. Il était nécessaire déjà de vous présenter les différentes actions. Et puis, nous allons organiser par la suite, vous allez recevoir un petit questionnaire et on va essayer un peu de trier par rapport à ce qui vous intéresse en termes d'action. Donc, on vous invite à vous impliquer dans tout parce que ça fait vraiment des financements différents et complémentaires. Et par la suite, d'organiser des ateliers spécifiques, un notamment sur l'accréditation, un sur le montage de projet, renforcement de capacité, un autre sur le montage de projet, mobilité, etc. Parce que c'est un sur l'échange virtuel Erasmus. Et donc, encore une fois, parce que ça peut être vraiment beaucoup de choses à la fois. Et donc, c'est plus sage de faire ça sur plusieurs fois. Peut-être on va même voir la possibilité dans certains cas d'organiser des choses en présentiel. Donc on a discuté ça avec France Volontaire. On va voir la possibilité de faire peut-être un atelier peut-être national où on invitera un peu tous les partenaires sur vraiment une question précise. Pour les accréditations, parce qu'en effet on a reçu pas mal de questions et comme l'a dit Sidi Mohamed, donc il y aura un accompagnement qui est vraiment, et là je tiens à remercier France Volontaire en la personne de
c'est Mohamed, Lamia ou Rémi qui depuis le départ ont dit bah, nous comme on connaît très bien etc, on est prêt à accompagner ceux qui le souhaitent. Je remercie également Sfouane parce que lui-même il a proposé généreusement également d'accompagner comme on l'a fait déjà pour d'autres associations. Encore une fois, nous sommes une offre nationale, c'est comme ça qu'il faut voir, on n'est pas en compétition entre nous, nous sommes dans une région, il faut qu'on soit dynamique au niveau national, il faut qu'on soit dynamique au niveau de notre région parce que les financements évoluent par rapport au dynamisme national et au dynamisme régional. Donc ça, c'est très important. Les Khasnana, il faut vraiment, et comme l'a dit Sidi Mohamed, c'est aussi une question de confiance. Il faut qu'on c'est la confiance, elle s'entretient, elle n'est pas automatique. Donc, commençons peut-être par des petits bouts, accueillons des Européens, quand ça fonctionne bien, Sefouane aussi, Sidi Mohamed, peut-être qu'ils vont me corriger. Voilà, parce que la confiance, elle se nourrit, elle s'acquiert, c'est pas quelque chose qui vient juste comme ça, pour qu'on puisse, c'est pour de nouvelles opportunités à offrir pour notre jeunesse, qui m'a dit si Mohamed ou Sophie ou Igoulina Sfouane ou Khadija, ce sont ces opportunités de mobilité qui permettent de compléter déjà l'apprentissage ou la formation de ces jeunes, mais également de sortir d'un certain nombre de déterminisme qui est nuisible pour les jeunes et pour la jeunesse, et de s'ouvrir sur de nouvelles cultures. Et je crois que c'est ça le propre de Erasmus. Anna, je vais partager brièvement, parce qu'on est vraiment des passionnés, donc on n'arrête pas de parler. Je vais présenter rapidement parce que, juste pour récapituler, Claudia nous a présenté le renforcement de capacité, Sidi Mohamed nous a présenté le corps européen de solidarité et le volontariat. On va revenir par la suite sur l'accompagnement et l'accréditation pour faire partie de ce volontariat. J'ai partagé avec vous le lien pour arriver à cette base de données des associations marocaines et européenne accréditée pour le volontariat. Nous allons bien sûr vous envoyer un email détaillant tous ces éléments. Nous avons une page web et un onglet sur notre site internet, je l'ai partagé tout à l'heure, mais je vais le partager par la suite, où vous allez trouver toutes ces informations vraiment présentées avec d'une manière vraiment didactique et très pédagogique pour vous accompagner, parce que je sais que ça fait beaucoup de choses en même temps. Je vais revenir moi là tout de suite et rapidement sur une autre action possible, les projets de mobilité qui rentrent dans cette première dans ce qu'on appelle nous dans notre jargon l'action clé 1, mobilité des jeunes et la mobilité des éducateurs sociaux et des animateurs sociaux éducatifs. Fiha tlata diyal lhwayej, c'est les projets d'échange de jeunes, c'est les projets de mobilité des animateurs socio-éducatifs, c'est-à-dire ce qu'on appelle les youth workers, les gens qui travaillent dans le domaine de la jeunesse, et puis les activités de participation des jeunes. Juste parce que je viens d'y penser, il faut savoir que toutes ces actions-là, elles sont ouvertes au même titre aux associations, mais également aux autorités publiques, locales et nationales opérant dans la jeunesse. Les directions du ministère de la jeunesse, etc. Donc ça, c'est très important à savoir également que c'est ouvert également aux autorités nationales, locales, régionales et nationales. Alors, je vais commencer par la première. Alors, il faut que je mette quand même. Je vais aller un peu très vite parce que de toute façon, aujourd'hui, c'est vraiment juste une petite mise en bouche. La première action qui fait partie des projets de mobilité des individus, ce qu'on appelle l'échange de jeunes, tabadul ash-shabab. Ashna hiya al-fikra hna, huwa association marocaine mad association européenne, ils vont organiser واحد des rencontres entre jmoua ash-shabab maghribi ou même jmoua ash-shabab européen ou حتى من la région, comme a dit Claudia. Aujourd'hui, les échanges interrégions, ils sont possibles, c'est-à-dire qu'on a les Tunisiens, les Marocains, les Jordaniens, Burkina Faso, des Européens, aujourd'hui, ce sont des configurations possibles. D'accord ? Donc, il y a un jumouat chabab maghribi, un jumouat chabab, qui a l'aqibhom, où le fikra, il y a un homme qui a l'apprentissage, on est toujours dans une idée d'apprentissage non formel, qui a des ateliers, qui a des exercices, des débats, des jeux de rôle, des simulations, etc., des activités à l'extérieur, etc. Et l'objectif, c'est
c'est l'apprentissage. L'amélioration des compétences numériques, l'amélioration des compétences entrepreneuriales, l'inclusion, etc., toujours dans les thématiques qu'on vient de voir. Et il fiquera rien à la fin. Hein, donc les jeunes, ils vont recevoir ce qu'on appelle le Youth Pass. Hein, le Youth Pass qui a au moins un certain nombre de compétences qui sont, on va dire, vérifiées et qui vont être rajoutées à leur CV et qui peuvent justement Zema revendiqué en disant grâce à l'échange de jeunes, j'ai pu développer les compétences. Aide les jeunes, je n'ai pas le jeune Benis Bellina Erasmus, ou même dans mon tâche, il est la tinsana. L'idée d'y aller, les projets, on accueille des jeunes européens au Maroc, on envoie des jeunes marocains à l'étranger, et la période peut-être qu'on a 21 jours hors la durée du voyage, où normalement le projet il va accorder les bourses pour couvrir les frais du voyage et du séjour d'y aller les jeunes. Qui est éligible? Toutes les organisations opérant dans la jeunesse, que ce soit des associations ou bien des organismes publics. C'est-à-dire, des agences nationales, le ministère, d'Oshabeb, etc. Et également des entreprises sociales, les coopératives. Donc, juste pour vous dire, Yelena, il faut vraiment vérifier que ce sont des entreprises qui opèrent vraiment dans le social et qui sont en lien toujours avec la jeunesse. Alors, l'action Hedi, contrairement à ce qu'on a dit pour le renforcement de capacité, ce sont les Européens qui ont le dossier pour les deadlines le 23 février de tout l'année ou le 4 octobre de tout l'année ou bien le mois qui est ainsi que supplémentaire le 4 mai. Donc il y a 3 appels par année, ce qui est magnifique. Donc ce sont les Européens qui ont le dossier. Le projet est la durée de 3 à 24 mois. Encore une fois, l'idée, il y a les groupes de jeunes qui se battent ou qu'on a des activités organisées en Europe ou là au Maroc ou là en Tunisie, etc. Ou là, enfin, on a tout besoin de mettre la Tunisie parce que c'est le pays qui est le plus proche de la région, mais ça peut être la Jordanie, ça peut être le Liban, ça peut être, de toute façon, pas facile, la région 3, il y a le droit de faire. Donc, la première chose, les projets d'échange de jeunes. Comment faire? Il faut absolument voir, visualiser quelles sont les associations européennes accréditées Erasmus+. L'accréditation Erasmus+, elle est très importante parce que, encore une fois, c'est Mohamed, qui a dit la crédibilité pour dire que vous êtes fiable, etc., et que tu as le partenaire, il est fiable. Vous avez le lien, les partager, ou les rien partager, mais elle, un autre email. Donc, il a dit, c'est la première possibilité, les projets de mobilité échange de jeunes. Quand même, Amine, un témoignage à l'échange de jeunes, mais malheureusement, encore une fois, on peut partager avec vous par la suite, comme l'a dit Sim Mohamed, c'est juste une première session d'information. La deuxième possibilité, toujours dans les projets de mobilité, les OMA, les projets de mobilité, cette fois-ci, des animateurs socio-éducatifs, c'est-à-dire Nes Lerdamin, comme ce qu'on appelle en anglais les youth workers, les gens qui travaillent dans ces associations, dans ces organismes publics, encore une fois, dans le Chebeb, le ministère, je ne connais pas encore très bien tous les partenaires, mais tous ceux qui interviennent et qui sont des organismes publics. Les gens qui travaillent, ils peuvent justement bénéficier de bourses de mobilité. L'enseignement supérieur, l'ASTIDA qui est de 2 à 60 jours, pareil, les formateurs, les animateurs, qui servent les outils d'Yaoulhoum. Ou également des Européens. Alors, la même chose, pardon, je suis à l'écran. C'est pas vrai. Vous arrivez à voir mon écran? Ma collègue me signale que. Non. Hein? Non, on n'arrive pas à voir l'écran partage. Ah, c'est vrai. Dis donc, depuis quand ça? Attendez, je vais repartager. On a l'air débile. Alors, Ella? C'est pas vrai. Ouais, ça, c'est toujours vrai. Toujours pas. Ok, what we do? Imane, je peux partager de chez toi parce que je l'ai mis sur le drive. Alors, toujours.
c'est bizarre. Alors, on va réessayer pour la énième fois. Juste rapidement. Là, toujours pas. Ça, c'est bon? Là, vous arrivez à moi? Non? Toujours pas. Non. Ah, donc, Iman va s'occuper de partager l'écran de chez elle. Voilà, de partager l'écran de chez elle. Et voilà, magnifique. Heureusement que... Très bien, par contre, quand je vais modifier un peu le... Voilà, allez, vas-y, c'est vers le... Hop, encore. Mazel. Voilà, encore. Voilà. Là, l'équivalent de diapolo. Voilà, l'équivalent de Hadi, les faire les dates. Voilà, très bien. Donc, encore une fois, ce sont les Européens qui peuvent déposer des projets de mobilité des éducateurs socio-éducatifs, des animateurs socio-éducatifs. Et encore une fois, c'est qu'on a trois dates de call, hein, d'appel à projet, puisque vous m'avez dit, il y a des appels à projet. Et ensuite, Imen, les dates, c'est toujours pareil, le 23 février de l'année, le 4 octobre, et ainsi que le supplémentaire, parfois, le 4 mai. Les actions, les goutiers d'abord, ils ne sont pas gérés par Bruxelles. Mais le renforcement de capacité dont a parlé Claudia, il est géré par Bruxelles directement. Donc, ils sont gérés par les agences nationales des pays européens. D'accord? Donc, il y en a encore une fois, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut contacter les Européens pour qu'ils puissent commencer déjà de discuter avec eux, la volonté de faire partie. Et puis, bien sûr, il faut acquérir ce label également par la suite, ce qui va vous permettre également d'être crédible pour des échanges de ce genre. Encore une fois, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des visites d'études, KMCH, ou un certain nombre d'activités sont mises en place par les associations européennes, c'est la mise en réseau, les sessions de formation, les séminaires, les ateliers, etc. Donc, là, l'objectif, c'est vraiment de former les gens qui travaillent dans le milieu associatif, dans l'éducation et pour la jeunesse. La troisième possibilité, ce sont ce qu'on appelle les projets... ce sont ce qu'on appelle les projets transnationaux d'activités de participation de jeunes. Les activités sont destinées, on va dire principalement pour les Européens, pour sensibiliser les jeunes et les encourager à participer à la vie démocratique européenne au niveau local, régional, national et européen. Là, d'ailleurs, les activités transnationales, c'est-à-dire toutes les activités qui vont être mises en place par les associations européennes pour permettre aux jeunes de s'impliquer dans la vie politique et dans la vie, démocratique, pour comprendre comment les institutions européennes marchent, etc. Donc, et nos jeunes peuvent participer dans ces activités également. Notamment pour renforcer leurs compétences personnelles, sociales, civiques, numériques, pour être des citoyens, européens actifs, parce qu'on se destine à c'est une action qui est destinée principalement aux Européens, mais sur laquelle des partenariats avec des partenaires en dehors de l'Europe sont possibles. On vous la présente parce que ça peut être toujours intéressant pour certaines associations qui opèrent dans ces activités de mettre en place ces projets dans ce sens. Et l'idée, c'est que Matelan organise des activités où les jeunes vont rencontrer des jeunes européens, parce que nous appartenons au voisinage, de comprendre cette notion de voisinage européen, le voisinage sud-méditerranéen, etc. Rencontrer des acteurs politiques, des décideurs, etc. Donc, c'est un genre d'activité. De participation des jeunes qui est éligible également pour les associations marocaines pour la cible toujours qui sont des jeunes de 18 à 30 ans. Tu peux passer Imen les objectifs encore une fois c'est la participation des jeunes dans la vie
on va dire, la vie démocratique, sensibiliser les jeunes, les valeurs communes de l'Europe, aussi acquérir des compétences numériques, notamment pour combattre ce qu'on appelle la désinformation, les fausses nouvelles, la propagande, etc. Donc, aide le genre d'activités. Et que je sais, certaines associations marocaines sont également impliquées et très dynamiques à FIHOME. Ce sont des petits financements de 60 000 euros sur des périodes de 3 à 24 mois. Et toujours, on a les mêmes deadlines. Encore une fois, ce sont les Européens qui déposent les projets. Et donc, c'est pour cette raison qu'il va falloir mettre en place qu'il faut dynamiser l'approche des Européens pour qu'ils puissent nous inclure également dans les projets qu'ils mettent en place, en leur proposant bien sûr la valeur ajoutée une valeur ajoutée de nos associations. Il y a plusieurs idées d'activités que je vous laisserai le soin bien sûr de lire tranquillement, juste pour vous inspirer sur le type d'activités qui peuvent rentrer dans ce genre de projet-là pour que vous puissiez avoir une idée beaucoup plus précise. Et même tu peux passer à, alors c'est loin, c'est vraiment vers la fin, c'est le Virtual Exchange comme dernière action sur laquelle les associations, voilà, c'est là. Juste un tout petit peu, voilà. Alors, comme son nom l'indique, c'est vraiment des projets d'échange virtuel. Donc là, on est plus sur la mobilité réelle, mais on est sur des mobilités virtuelles, enfin des échanges virtuels, à travers une plateforme qui a été mise en place par l'Union européenne, qui est le Virtual Exchange. Et l'idée, c'est de mettre en place, alors vous, en tant qu'institution, l'idée, c'est de discuter avec un petit consortium de nationaux et d'Européens pour la mise en place de MOOC, de ce qu'on appelle un cercle social. Et l'idée, c'est de mettre en place un échange entre des jeunes marocains ou là, des jeunes de la région et des jeunes européens et de construire des espaces de discussion et d'échange. Mais aussi de chatting, mais d'échange structuré, facilité par des facilitateurs. Et l'idée, c'est également de former également des facilitateurs. Donc, parce qu'on est toujours sur de l'apprentissage, nous n'oublions pas, en faisant de la mobilité pour que les jeunes puissent apprendre quelque chose, que ce soit dans le formel, c'est-à-dire dans les cours, etc., ou là dans le non-formel, c'est-à-dire à travers des activités en dehors de l'école. Donc, Nadima, dans ça. Donc, non, l'objectif de cette action, c'est d'encourager le dialogue interculturel, les échanges, de renforcer ce qu'on appelle des compétences transversales, l'esprit critique, l'éducation aux médias. Aujourd'hui, les médias, les compétences numériques, l'information, la désinformation, les intox et tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment un vrai problème. Et aujourd'hui, maîtriser ça et avoir ce qu'on appelle aujourd'hui une éducation aux médias, c'est quelque chose de très important. Et pour lutter contre des fléaux aujourd'hui que nous vivons, la discrimination, la polarisation, la radicalisation, etc. Favoriser le développement de ces compétences numériques pour aider toujours à l'employabilité, parce qu'in fine, tout le programme Erasmus, son objectif, c'est d'aider également les jeunes à travers toutes les formes d'apprentissage à trouver un travail, mais également d'être un bon citoyen, parce qu'il y a aussi l'idée de citoyenneté à la fin. Promouvoir l'éducation à la citoyenneté, donc c'est ce que je viens de dire, et puis renforcer la dimension jeunesse dans les relations avec l'Union européenne. L'exemple d'activité, encore une fois pour vous inspirer, comme à Coutricom, des discussions en ligne avec des jeux de rôle, des simulations toujours bien structurées. Ce ne sont pas des choses qui sont, on va dire, pas du tout structurées, ce sont vraiment des cercles sociaux, on appelle ça un cercle social, et ce sont des discussions structurées. Ils peuvent être soit dans le cadre d'un cours structuré, où là, ce sont par exemple les universités qui peuvent monter, soit dans l'extracurriculum, ce qu'on appelle en dehors le diplôme. Et donc là, c'est les associations qui peuvent les créer, ou là, c'est quelque chose de conjoint entre les universités, mais les associations, qui peuvent travailler justement pour développer des cercles sociaux, des discussions en ligne, ou la matière un cours en ligne, interactif, un MOOC ou un SPOC, et sur bien sûr des thématiques précises encore une fois, ou là carrément former des animateurs socio-éducatifs.
toujours l'idée, c'est d'avoir des cohortes, deux cohortes régionales, nationales, ou là, avec des Européens. Parce que c'est ça l'idée, hein, ce sont des échanges, bien sûr, interculturels et transnationaux. Alors, les projets, ils peuvent être déposés avec un maximum de budget demandé de 500 000 euros. Et là, on raisonne en termes de combien je vais toucher de participants. On a l'obligation de toucher 2500 participants. Donc, si on met en place quelque chose, il faut vraiment être sûr qu'on va toucher une population de 2500 jeunes ou éducateurs, quel que soit bien sûr le groupe cible qu'on veut atteindre. Et encore une fois, là, vous pouvez travailler également avec les universités. Ce que nous avons oublié de dire tout à l'heure pour le projet de renforcement de capacité, c'est que vous pouvez les monter également avec les universités, hein, ou là, les établissements de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire de mettre en place des projets qui vont du coup mélanger la sphère enseignement supérieur avec la sphère associative pour le renforcement de capacité des animateurs socio-éducatifs, les jeunes leaders, etc. Donc voilà à peu près, on va dire, ce qu'on voulait un peu vous dire, hein. Je sais que ça fait beaucoup de choses, mais c'est tant mieux, ça veut dire qu'il y a énormément de choses à faire. J'espère que ça va vous motiver. Pour s'inspirer, qu'il y a la base de données de tous les projets qui ont été financés, ça fait une petite lecture. Vous voyez qu'on a vraiment une idée d'elle. Parce que les projets, il faut innover. Hein. Il faut vraiment être sur... Il y a énormément d'idées. Il y a des idées d'information à travers le théâtre, parce que j'ai vu pas mal de questions sur est-ce qu'on peut monter des projets autour d'activités artistiques. Bien sûr, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de... Konkan Manassi Abdelbast, il va nous expliquer le projet dans lequel il était impliqué, où ça tournait autour de la culture et de la gastronomie. Osfouan, tout de suite, il va nous présenter son expérience à travers Erasmus+. Comme l'a dit Claudia, on a oublié d'ailleurs de le dire dès le départ. Ah oui, merci beaucoup Imen. Juste pour toutes les questions qui se sont toutes les personnes qui se sont posées la question sur comment trouver des partenaires européens, si Mohamed tout à l'heure a partagé avec nous la base de données via le volontariat que j'ai partagé, qu'on va partager bien sûr via un email plus détaillé, c'est celle-ci. Ah, on ne voyait pas mon curseur. C'est le European Youth Portal. Mais sachez qu'il y a aussi ce qui a été développé par Salto, Smitha, Atlas. Head Atlas, elle peut aider pour trouver des partenaires, notamment sur le Virtual Exchange, mais également sur le volontariat, sur les projets de mobilité, etc. Vous pouvez trouver également tous les projets qui ont été déposés. Donc, c'est une mine, c'est une caverne d'Alibaba. Et également, nous avons... Parce que désormais, tout va être géré par le portail, ce qu'on appelle pour les Antibes le FTOP, le Funding and Tender Opportunities. Tout va se passer par le portail. C'est là où désormais vous allez déposer, en tout cas ce qui est géré par les actions centralisées, c'est par là. Pour créer un PIC, les ou l'identifiant, ça passe par là. Donc aujourd'hui, le portail, il est très intéressant parce que qu'on fait, comme l'a dit Claudia, tous les participants de tous les horizons dans tous les programmes de l'Union européenne, Erasmus, Horizon, tout. Et donc, même pour trouver un partenaire, ou là, qui m'a dit Mohamed, pour vous trouver, vous, Tensoma, c'est très intéressant de créer déjà le PIC et puis de s'identifier, de dire ce que vous faites. Parce que nous avons de nouveaux partenaires, ou les gens qui vous ont dit qu'ils vous ont dit qu'ils vous ont dit petite vidéo où on explique comment apprivoiser, qui fait que vous avez le FTOP, on l'a partagé avec vous sur le site internet, ou on partage avec le email qu'on va partager en détaillant toutes les différentes actions et comment faire et comment y aller. Et puis, la dernière chose, c'est Imen, s'il te plaît. Voilà, donc nous avons un onglet sur notre site internet, comment bénéficier. On a un élément qui s'appelle jeunesse/association et c'est là où vous allez trouver vraiment votre bonheur avec tous les détails, les info sessions, etc. et toutes les informations, tous les liens utiles et puis tout ce qu'on a discuté, présenté bien sûr par bouton, etc. Sisfouan, à vous la parole. Salam alaikum, vous m'entendez? Eh bien, salam alaikum déjà, bonjour à tous. Je me présente Safwan Omha. Donc aujourd'hui, Adin Koulmaakoum à double casquette. Donc,
Je vais partager en bref mon expérience en tant que bénéficiaire, c'est-à-dire volontaire de le programme. D'autre côté, j'aimerais bien vous partager aussi l'expérience en tant que ONG, en tant qu'association bénéficiaire aussi du programme. La chose vraiment qui m'a permettre à ce stade, parce que actuellement je joue le rôle de chargé de projet de partenariat coopération internationale la Fondation Morocco's Friend Foundation, mais vraiment c'est via de l'astuce ou la via de la voie ce qu'on appelle avant le programme qui était le service volontaire européen que vraiment j'ai gagné où il y a vraiment où j'ai récolté bzaf ديال les acquis. علاش لانه 2014 donc à l'époque donc déjà donc الفضل ترجع les deux associations donc au départ heureusement j'ai l'honneur que les deux associations ont encore technique enfin, le programme mais au moins comme il est déjà indiqué c'est Mohamed l'association Amoud de Chantier sans frontières à Taroudan. Actuellement je suis sur la casquette de la Morocco's Friend Foundation donc avec Amoud j'ai découvert le programme de le service volontaire européen déjà comme un participant parce qu'à l'époque nous avons accueilli avec des participants des jeunes donc comme dans des missions court terme ou bien des missions long terme dans laquelle flouel tarft ala le programme achna le programme service volontaire européen achna les opportunités nous a permettre déjà comme il a dit madame Natifa c'est un packaging à 100% d'apprentissage. Donc déjà améliorer la langue, quelle que soit la langue française, la langue anglaise, donc voilà. Derrière lequel, dans l'association qui m'a permis de faire ce qu'on appelle le tutorat ou bien l'accompagnement des volontaires. Donc voilà, via l'accompagnement, donc c'est être toujours en contact avec le volontaire accueilli dans l'association l'Intafira, c'est-à-dire le quotidien dialogue, tu vois, maintenant, ce qu'il a besoin, s'il a besoin d'un aide, la mise en œuvre des activités accordées par l'association, l'arrivée de le volontaire, toujours il a besoin d'un repère, l'intégration de l'association d'accueil dialogue. Donc voilà et derrière lequel donc ce récolte d'apprentissage donc il m'a permettre de profiter comme participant faire le programme dans la France. C'est là vraiment où j'ai découvert vraiment d'une façon comment dire un peu profondie le programme parce que j'ai eu de la chance de faire partie de l'équipe de la rédaction des projets dans l'association qui m'a accueilli. La France, qui m'a permettre aussi la création et l'élaboration de 3 projets d'échange à d'autres pays. Donc cette expérience, donc je prie tous ces prix acquis, j'essaie vraiment d'exploiter ce qui a donné tout ce travail. Alhamdulillah, si je vais partager, j'ai pu faire l'accompagnement de plus de 500 jeunes. Donc, de plus de 13 nationalités. Donc, voilà la chose pour moi qui est très enrichissante. Il m'a permettre de préparer, parce que comme il a déjà mentionné, c'est Mohamed, que dans ses missions, ça peut être sous format de stage, ça peut être sous format d'apprentissage, formel et non formel. Et du coup, dans ma mission, j'ai profité aussi de préparer mon BAFA. Donc, le BAFA, c'est le brevet d'animation de la profession d'animateur. Donc, pour vous expliquer que le BAFA, c'est quelque chose de nécessaire si vous voulez être un animateur dans les maisons de jeunesse. Ça, c'est le cas pour la France. Qui m'a aidé vraiment beaucoup l'accompagnement aussi des jeunes en situation difficile parce que ma spécialité c'est cette catégorie, les jeunes en situation difficile, ce qu'on appelle dans le programme les JAMO. Donc ça peut être des jeunes en situation difficile soit au niveau économique, géographique ou physique.
Donc voilà. Et après, quand j'ai rentré au Maroc, donc j'ai essayé vraiment de créer beaucoup de projets soit avec Amadou, soit actuellement avec la Fondation des Amis du Maroc, Morocco's Friend Foundation. Donc, la chose qui m'a permis, qui nous a permis vraiment d'avoir le label qualité que Sim Mohamed a déjà mentionné. Alhamdoulilah, nous fait partie de les 16 associations les déjà mentionnant. On aimerait bien, comme vous avez dit, l'objectif, c'est vraiment d'augmenter ce nombre des associations. C'est la raison derrière laquelle nous avons vraiment déposé. Que du volontariat ou bien aussi des mobilités d'animateurs socio-éducatifs et des échanges de jeunes? Des échanges de jeunes, oui. J'ai déjà participé à l'élaboration d'un projet d'échange de jeunes. Quand j'étais à Moudo, c'était un échange à Épinal en France des jeunes de 4-5 nationalités. Actuellement, on travaille au niveau de la Fondation des Amis du Maroc sur un projet avec d'autres partenaires sur l'insertion socio-professionnelle des jeunes et aussi sur l'employabilité des jeunes avec 6 pays. Il y a donc déjà le Maroc, l'Égypte, la Tunisie, l'Italie, l'Espagne et la France. Donc voilà. Faible montage de projet d'abord. Vraiment, c'est une question d'habitude. Donc déjà, c'est une question d'habitude. Fais-je t'attraper mais là, faisais les projets. Donc au début, c'est toujours difficile. Nous, ça reste toujours difficile. Donc pour répondre aux attentes, le bailleur de fonds, c'est toujours difficile. Mais on bénéficie toujours de l'accompagnement des partenaires. Là, déjà, je remercie Smohamed a toujours, il était toujours à l'écoute, vraiment à chaque étape. Donc, dis-moi ton verso, Sarah Hatan. Donc, voilà où j'ai vraiment de la chance d'aimer du but de le programme, vraiment de reconnaître c'est Mohamed. Vraiment, c'était quelqu'un, vraiment, c'était un élément vraiment de référence que je coordonne vraiment. C'était vraiment de départ, soit avec Amadou, d'abord avec MFF, toujours on est en contact. Alhamdulillah, يعني ما كاينش الامور اللي غادي اللي يخاف منهم. دونك Ou les فوالا. Européens qui voilà, parce que c'est Oumali qui dit les projets de mobilité, Oumali qui écrit Oui. pour Rome, etc. Mais qui est le Maghreb, ça Oui, Oumali, c'est bien sûr, surtout comme vous avez déjà mentionné que déjà pour avoir le label qualité, ça facilite. Moi, je vois que vraiment, il fait beaucoup plus que 80% de le travail. Parce que quand on aura l'accréditation, donc déjà, on est visible. Donc la plupart des demandes viennent de côté des Européens parce que ils cherchent beaucoup, ils sollicitent beaucoup vraiment le travail avec les associations dans le sud, le rive méditerranéen. La chose, comme vous avez dit, que c'est un peu gênant d'avoir que 16 associations. J'espère vraiment, après ces sessions de formation, après ce grand travail sur lequel on est en train de laborer, d'augmenter ou bien de doubler ou tripler le nombre ou beaucoup plus des associations, vraiment parce que il y a une grande nécessité que Machat Lahta Claudia aussi, donc il rejette parfois des projets parce qu'il répond pas aux normes donc des associations, parce qu'il y a comme il a déjà mentionné, il y a certains échanges ou bien certains programmes qui nécessitent de pays par exemple de l'Europe, de pays de Rive Sud, donc il faut vraiment travailler sur ce volet-là, comme Alors, déjà oui. juste pour dire tout de suite que les projets de renforcement de capacité, on n'a pas besoin d'accréditation. Pour tout le reste, on a besoin d'une accréditation. Oui, voilà. Juste pour voilà les conseillers de Là, c'est justement de toute façon, là, je parle Voilà, de côté. Oui. les projets de renforcement de capacité peuvent être vraiment la première étape pour Les arriver autres. à justement à des accréditations plus fluides, etc., Oui, notamment pour oui. l'accompagnement des équipes. Principalement l'accompagnement des équipes. Oui, c'est ça.
De toute façon, actuellement, je vais partager avec vous quelques exemples. Par exemple, l'exemple, si vous permettez, l'exemple de les double qualités que nous avons à Lyon. Juste pour que les participants puissent avoir une idée des formulaires, les achats de. Donc voilà. On va partager. Alors, pour les labels qualité, donc Kenin, la possibilité qui m'a laissé de l'envoi et de l'accueil. Maintenant, MFF, nous avons travaillé les deux labels séparément. Donc ça, c'est juste pour expliquer aux participants qu'ils pouvaient travailler dès le début sur un label qualité les deux rôles pour être host organization ou la support organization, yani l'envoi ou l'accueil, parce que c'est les deux choses qu'on peut avoir en tant que des associations marocaines. Alors, la plateforme, avec le compte de l'association, on aura ce qu'on appelle le PIC. Donc, le PIC, c'est comme vous avez déjà dit, c'est le numéro de la carte nationale. Par exemple, comme on dit, le programme. Il insiste beaucoup qu'on vous remplissez ou bien qu'on vous demandez le rôle de l'accueil. Il insiste beaucoup à la sécurité ou si l'accueil, comment il va se faire, l'accueil de le volontaire. Parce que ce qui est intéressant, soit qu'à des associations marocaines, ou bien soit au niveau de l'envoi ou au niveau de l'accueil, ce qui nous intéresse, c'est le volontaire, c'est le savoir-faire, et vraiment, mais en bonnes conditions. Surtout que, donc voilà, tout ce qui est en relation de la question de les visas, qui m'a déjà sorti les home, il faut le respect des délais, et qu'il faut avoir un bon logement pour l'accueil des volontaires. Donc, ce sont des choses que l'Union, que le programme, il insiste d'avoir beaucoup plus d'informations à Lyon face mito. Et vraiment, le label qualité, c'est pas une chose. Il y a ça, il y a des choses là. Mais vraiment, il faut répondre aux choses telles. Donc voilà. Et donc voilà, il y a des réponses claires. Les volontaires, soit ils sont court terme, long terme, qui font des dar, fin de tato, l'accompagnement des hommes, yani tutorat des hommes. Je connais la personne qui va être en suivi du projet, qui va être en contact avec l'association d'envoi, la personne référente de l'association d'accueil. Donc, ce sont des choses, c'est l'association vraiment maîtrise le genre des choses. Il faut justement avoir la vision à l'achnoubrina. Les volets, les objectifs de Nawadhin, parce que c'est quelque chose de très intéressant. Il y a on ne voit pas l'arrière en fait. Pardon. Voilà. Je vais partir l'autre exemple. C'est la belle qualité de le supporting. Supporting, c'est l'envoi. Donc voilà. Très bien. De toute façon, comme l'a dit c'est Mohamed, l'objectif, c'est aujourd'hui pas du tout de vous faire peur. Oui, bien sûr. Par la suite, ce qui va se faire, c'est qu'on va essayer d'accompagner, d'organiser quelque chose de très précis sur l'accréditation elle-même. Comment la déposer, comment augmenter les chances. Et puis, n'est-ce les qui ont déposé des demandes et que c'est en cours, ou là qui ont eu des refus, n'hésitez pas à nous contacter, envoyez-nous un email sur contact@erasmus.ma
et partager avec nous normalement les difficultés. Mais c'est la nous galou lui comme s'il y avait un rejet. Et puis ceux qui ont déposé, voilà. Et ceux qui ont déposé de nous dire où ils en sont. Donc ça c'est un exemple de. Ouais. Désolé, ça c'est un exemple de le founder Intender, c'est la plateforme sur laquelle vous avez bien de parler. Donc c'est là où tout le job est there. Donc là c'est le suivi des projets, la fondation, les informations de la fondation Ashnokain, le pic de la Kifeshé Tater. Donc ça c'est juste pour vous donner juste la vision à la Kifeshé Tater avec le portal. La chose les barines assistées là ou comme j'ai déjà partagé avec soit madame Natefa ou soit Massim Mohamed dans la dernière parce qu'avec lui donc on a eu déjà la chance d'animer la formation de l'European Solidarity Corps la ville de Tiznit donc derrière laquelle on a eu pas mal de contacts dans les associations de la province déjà eu si j'avais raison participante des classes sessions, il a eu la chance de participer dans un échange chez Mohamed Diak. Donc voilà, donc la chose que vraiment je vois que ce genre de les sessions, là, ce genre de les sessions d'information, c'est très 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 intéressant. Ça donne envie aux autres associations ou bien aux autres jeunes pour mieux connaître le programme et pour faciliter comment dire l'accès à le programme et dans son cadre on a le même baradar, on est à entière disposition, soit le bureau Erasmus plus Maroc ou là au profit des gars, des associations, bah on a un dialogue, l'accompagnement pour bah je ne fais pas zèf le gudam le programme gars dans les volets dialogue plus précisément, on a un autre de volets les associations, les échanges des jeunes ou bien de l'European Solidarity Corps. Donc voilà. Merci beaucoup. انا عندي واحد السؤال باسكو كاين واحد السؤال جو كرو انه مهم جدا اللي عطاه لينا سي عبد الباسط هو سي ان بون كونيسور اون فادير تاع هو ديال لا ديناميك باسكو يل جير تاع هو دي بروجي دو فولونتاريا parce qu'on a beaucoup parlé de confiance et le problème qui peut arriver c'est que مثلا شي شباب voilà يتم استغلال هادشي كلشي على قبل الهجره ولا نتوما من خلال التجربه ديالكم comment on peut justement pallier les problèmes problème parce que peut-être qu'il y a des associations libres et veulent faire هادشي ولكن la crainte ولكن هاد لا كرانس دوتون بلوس كو كاينين ديزاكريديتاسيون دي كانو تحيدو لي اسوسياسيون ا كوز دو Oui, ouais, vraiment, ouais, بالنسبة لي, j'ai pas eu vraiment ce genre de problème. Ça peut nous arrêter. Il y a déjà les problèmes qui nous traînent, justement, la durée du visa. Il y a certains volontaires qui ont ça ou dès que la durée du visa, mais vraiment, on fait tout un travail en amont. Vraiment, c'est un travail en amont, c'est un travail de la sensibilisation. Que vraiment, bien qu'il y ait des jeunes qui travaillent avec travail qui mettent les cours en amont, à Chnofin Radin, les projets de la Dirkhidmo Elium, tu as fait le temps de faire des choses. La plupart, je suis sûr et certain que faire des choses, on a toujours la vision que l'Europe c'est l'Eldorado, et qu'il faut que tu chauffes le Waqet. Mais ça, tu chauffes, vraiment, il n'y a pas une grande différence. Mais le Blex, on a un team shoot, Matt, Xbox, Jriba, ou Adot, et Jout, et partagez vraiment dans les deux associations, ni à Moud Douné, la Fondation des Amis du Maroc, on a eu vraiment. Ça m'a confronté à le genre des problèmes. Donc voilà. Mais moi, vraiment, je vois que c'est un travail en amont entre les associations d'accueil et d'envoi. Je ne sais pas si Mohamed Chtoté, donc voilà, je crois qu'il a des choses à ajouter. Mais de notre côté, vraiment, c'est le travail en amont qui fait tout. Le Canada ou le travail en amont. Oui. C'est Mohamed. Allô, Mme Zian. Oui. Voilà, on va vous dire voilà par rapport à la question de l'e-visa, à la question de la confiance là, on n'a jamais eu de problème de visa pour faire partir les jeunes. Et aussi les jeunes qu'on fait envoyer en Europe, c'est de retour, le taux très très élevé. On a 95-98% des jeunes qui rejoignent. Qu'est-ce que le problème? Mais pourquoi?
Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a tout un travail d'accompagnement avant. Mais si avec le jeune, les régions des associations, la première activité de le faire envoyer en Europe. Ce n'est pas, ça l'objectif. C'est un apprentissage, une opportunité pour être jeune. Tu peux engager avec l'association, avec les activités. Il est assez présent, il est assidu, il bénéficie. Quand je trouve le comportement de l'OKIM, il a un projet personnel, il a un projet professionnel. Le jeune, vous voulez qu'il y ait une opportunité à dire, il y a une chute de la mobilité internationale, mais je vais y aller. Je trouve le moyen de faire ça. Premièrement, il y a une opportunité pour les jeunes marocains de faire ça. Il y a une chute de la mobilité. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a le rôle de multiplicateur. Avec le jeune, il y a le Maghreb. On va faire envoyer une centaine, des milliers, etc. etc. Mais la machine, c'est qu'on a des jeunes, ça va poser des problèmes. C'est pour ça que tout à l'heure, on a des jeunes, sans association, qui ont des opportunités en Europe, mais même qui ont des associations accréditées, les associations qui ont on ne vous connaît pas, donc on ne peut pas vous cautionner. C'est la raison pour laquelle on a, j'insiste, mais on a toujours un processus d'accompagnement. Bien sûr, on a un travail de préparation au départ, le suivi pendant la mission de volontariat, dialogue, tout ça. C'est ce qui fait que les jeunes sont épanouis pendant leur mission et à leur retour, ils reviennent ici au Maroc avec une motivation pour contribuer au développement de le pays. Donc, c'est ça un petit peu, juste pour résumer et pour répondre à vos questions. Non, mais c'est vrai que c'est une question très importante et ouais. On en a parlé d'ailleurs plusieurs fois avec Si Mohamed, Lamia et Rémi. Et c'est vrai que tu qu'on a ça de la part des associations et tout à fait le fait d'accompagner et puis d'insérer la mobilité dans un projet professionnel, je trouve que c'est vrai que dans le cadre de l'enseignement supérieur, on a quasiment pas de problème le retour parce que c'est des mobilités dans le cadre d'un diplôme, donc t'as là-bas c'est qu'on zéma, donc avec le projet de Makinch, il peut pas interrompre c'est son cursus, mais c'est vrai que la question de la confiance et voilà qui peut être rompue justement parce que ça peut être une manière un peu détournée. Swan, tu veux dire quelque chose? Oui, mais vraiment pour dans le même sujet que moi, vraiment, je vois le contraire, que des jeunes, je vois qu'ils ont respecté la mission d'Yalon, après le suivi, le contact à l'association d'accueil, et par contre, alors, on m'a d'abord fait l'étranger d'une façon, comment dire, formelle. Parce qu'ils ont profité de la mission d'Yalon, l'évaluation d'Yalon. Et derrière, avec la mission, ils ont eu des chances d'accès au marché du travail dans les pays européens. D'ailleurs, je connais trois personnes qui s'installent maintenant d'abord dans la France, qui sont la Suisse ou juste la France, ou qui sont deux personnes d'abord qui sont installées d'abord dans le Canada, dans le domaine de l'accompagnement des jeunes en situation difficile. Et tout cela, c'est via l'expérience. Okay. Alors, il y a ce qu'on appelle le programme d'accueil de passe, les canadiens. C'est un outil de valorisation de la mission de le volontaire. Et vraiment, c'est derrière l'outil que les jeunes de la Chandra, ils ont eu la chance parce qu'ils auront plus valorisé ou bien ils ont un pas ou deux pas de plus dans l'insertion professionnelle. عندك صح لانه كما قلتي وقال سي محمد هو toute la préparation pour leur expliquer انه راه كاينه la possibilité pour ceux qui veulent par exemple qui ont un projet d'immigration كاينه la possibilité de partir en une forme ou elle dit que c'est une occasion de trouver des opportunités et de faire valoir les hadaths بحال هكا ديك الساعه tu peux partir d'une manière زعما structuré et j'ai une question où qu'il y a une question je réponds rapidement la mobilité des l'amilin l'ijtimaïen mais il y a une limite d'âge c'est-à-dire que يقدر يكون عنده اي âge donc s'il y avait une confusion là c'est que les jeunes qui bénéficient
اللي خاص يكون عندهم من 18 ل 30 سنه، ولكن الناس العاملين في القطاع لو زاليماتور سوسيو ايدوكاتيف ils peuvent avoir n'importe quel âge. Je vous remercie parce que c'est fun. De toute façon, les hadiths sont باقيه. غنسولو دابا خديجه علاش هي ما بقاتش علاش رجعت هي كخديجه qui va partager avec nous son expérience de jeunes ayant bénéficié d'une mobilité. Merci pour l'invitation. Ana ma kanch ghadi nrja kint ghadi nbqa hit hit ma les conditions sanitaires kint ghadi nbqa sima hasla job la rjana qbel presque une semaine qbel. Alors ana Khadija Mahsasem, j'ai 20 ans ou le UX exchange leader kan f la Tunisie. Donc mchit f le 29 octobre ou rjat je pense le 7 novembre. انا غادي نعاودها بحال واحد شورت ستوري تكون حسن. الوغ شفت واحد البوبليكاسيون في واحد لاباج باغازار لاباج سميتها اوميد اف موروكو. دخلت قلت هاد الفورمولير ايشونج تونيزي مزيان اجي ندفع ليه. دفعت ليه جو بونس ما كملاش كاع 48 ساعه. كنتواصل معايا امين الخالدي اللي هو كان جو بونس الكورديناتور ديال لو بروجي هنايا في المغرب. قال لي واش انت بخيت لواحد الانترفيو فوالا راك راه الفورمولير ديال راه دزتي من ايطاب لايطاب الاخرى ديال لونتروتيان. الوغ دوز لونتروتيان قال لي غادي نجاوبك عطاني واحد الوقت باش نجاوبك واش انت يو ار ان اور نات. ابري جاوبني قال لي صافي راك معانا فوالا راه هاد لا بروسيدور خصك ديري هادي خصك تجدي هادي. ابري تلاقيت مع الناس اللي حتى هما مشاو معايا من المغرب اللي كانوا دو في بقينا اون كونتاكت كان بريباريو تو سكي بي دافيون شنو خصني نعرف قبل ما نمشي كاع شنو الحوايج اللي خصني ندي معايا. المهم بزاف ديال لي زانفورماسيون وهنايا غنبقى نعطي دي مو كلي اللي يقدروا يحتاجوهم الناس اللي معانا هنايا. لي زوبورتونيتي بحال هكا كيجيو معاهم الانفو باك ديالهم دونك كيكونوا كاع لي زانفورماسيون اللي غادي تقدر تحتاج على هذيك الباص اللي انت غادي ليها ولا على هذاك لي شونج كامل. فوالا مشينا لا تونيزي تما كانوا كنا حنايا من المغرب كانوا الناس ديال الاردن كانوا الناس من تونس كانوا من الاغلبيه طبعا وكانوا ناس من ايطالي كانوا من اليونان ومن رومانيا فوالا دونك كنا سي بي وبقينا تما قلت تقريبا دي جوغ. التيماتيك اللي كنا خدامين عليها هي تو سكي انتربرونيا ولكن اللي كان جديد بالنسبه لي انا حيت ديجا كيعجبني نخدم ولا كيعجبني نحضر لدي فورماسيون في هاد التيماتيك سي كو هاد المره كان اولا على الاترونجي والحاجه الثانيه انه كان على واحد لو تيم انتربرونيال اللي هو الجيمينغ. الجيمينغ ماشي شي حاجه اللي كاينه بزاف في السوق ديال تو سكي انتربرونيال. الوغ كان الجيمينغ كنا خدامين على بالضبط كنا خدامين على بورد جيمز. لا فورماسيون شنو اللي انا الصراحه قبل ما نمشي دونك تيكون عندك واحد الباك جراوند على لي فورماسيون كتقول فوالا غنمشي غيكونوا دي زاتيليي كنفيق في الصباح كنحضروا الفورماسيون كنمشي وكنتغدى وكنرجع ثاني كنحضروا الفورماسيون وحده اخرى وصافي يعني الطريقه العاديه اللي معروفه. اللي كان جديد هنا هو انه فريمون كان بزاف ديال الايس بريكينغ دونك ما كنتيش كتحس بلا راك كدير واحد المجهود. وبعض المرات كنا فريمون كنبقاو خدامين في الليل باش نقدروا نوصلوا لهذيك الريزلت دو بروجي اللي بغينا. مي كنا كنديروا داكشي بارامو يعني حنا خدامين وماشي مشكل. واحد الوقت فريمون ما بقيناش باغ اكزومبل خصنا مثلا 6 راه نقدروا نحبسوا كتلقانا حنايا والناس الاخرين اللي ما كندويش غير المغاربه كندوي حتى الناس اللي كانوا معنا لي بارتيسيپون من لي ناسيوناليتي الاخرين كنا كنبقاو خدامين في الليل ما عندناش مشكل. دونك فوالا هذه هي جو بونس هنايا فين كتبدا كتكتشف راسك حيت قبيله سمعت بلا هاد لي فورماسيون ولا هاد لي زوبورتونيتي بحال هكا كيعطيو دي زاكي هما تيكونوا لي زاكي وتيكونوا حتى دي ديكوفيرت حيت كيكون باغ اكزومبل عندك واحد السكيل ولكن ما جاتكش ديك الفرصه باش تكتشفها في راسك. الوغ ملي كتمشي كتخرج من واحد السيف زون ديالك كتمشي على برا وكتمشي مع ناس اللي
ما عندكش غادي تلاقى معاهم هذيك المره وصعيب تعاودوا تلاقاو كاملين يعني مثلا اللي كنتو 24 ديال الناس راه صعيب تعاودوا ثاني تلاقاو 24 ديال الناس هذوك الناس نيت اللي كانوا معاك جو بونس هذيك لوبورتونيتي غتجيك مره واحده في حياتك الوغ كتمشي كتكتشف راسك كتحط في واحد لي كونديسيون ديال خصك خصوصا فاش كنكونوا خدامين على ان بروجي بارفو كيخصك تكونترولي راسك حيت حنا خدامين حنا جايين هنايا دي زامي ولكن هادشي ما كيعنيش انه فاش كتكون خدام باش تغيانيزي واحد الحاجه بارفو كيوقعوا واحد ما باش نسميهم دي كونفلي ولكن نقاشات على لا اجي نديرو هكا اجي نديرو هكا اجي نديرو هكا اي فريمون فهاد لي سيتوياسيون هادي هي فاش كتعرف كيفاش تجيري راسك. الحاجه الثانيه اللي نبغي ندوي عليها هي القضيه ديال اللغه بحال مثلا فهاد لي شونج هذا كنا مشينا دونك اللغه اللي كنا معتمدينها هي لونغلي فريمون كتلقى بلا بزاف كان بزاف ديال لي نيفو مختلفين كانوا الناس اللي فريمون كيدويو بلونغلي مزيان كانوا الناس اللي عاليه المهم كيوصل لك اشنو بغا وكتقدر تواصل معاه حيت لي دا من هادشي كامل هو فهاد ديال انك كتمشي كتلاقى مع ناس من بلايص وحده اخرى في العالم جايين بثقافات وحده اخرى وكتقدر تتواصل معاهم وكاينين الناس اللي فريمون كيبقاو كتبقى اون كونتاكت معاهم جو بونس الناس اللي قبل مني غيكونوا عارفين هادشي اكثر اللي كانوا تشوف في بوزيشن كاينين الناس اللي بقيت معاهم دي زامي اللي نقدروا ندويو المهم ما كدوش سيمانه بلا ما كندويو ولا بلا ما كنسولو في بعضياتنا. الحاجه الاخرى اللي مهمه بزاف هو النيتوركينغ خلينا من لو كوتي ديال انك كيكونوا عندك دي زامي امي يعني لا في بيرسونيل ديالك ما كيكونوا ناس اللي ولاو عندك ولا عندك واحد لي ريزو على برا اللي الناس الا شافوا واحد لوبورتونيتي اللي عارفينها غادي انت غتكون مهتم بها كيبارطاجيوها معك وهذا هو لوكا. دونك مثلا انا فاش كنعرف خديجة il y a un petit souci de son chez toi. Vas-y. Alors, فاش كتشوف بلا عندك واحد لوبورتونيتي وتقدر انت ما مهتمش بها ولا ما كتمشاش مع الحوايج اللي كتهتم بهم ما كاينه واحد لا بيرسون باغ اكزومبل من الاردن تونس ولا ايطاليا ولا الناس اللي كانوا معايا ممكن يهتموا بها كتصيفطها لهم حتى هما فاش كتشوفوا بلا راه كاينه واحد لوبورتونيتي اللي غادي تخدمك ولا اللي عارفينك انت مهتم بها هما كيصيفطوها لك. هنايا فريمون فاش كتشوف النيتوركينغ راه كيلعب واحد الدور مهم. الحاجه الاخرى اللي بغيت نقول هو اليوتيوب باس. دونك فاش سالينا البروجي كتوصل بواحد الحاجه اللي سميتها اليوتيوب باس كيولي عندك الوغ اليوتيوب باس شنو اللي جديد كيف ما قلت انا ديما كنت كنشارك دي فورماسيون هنايا في المغرب ديما مونبر مع دي اسوسياسيون هنايا في المغرب مي اللي جديد في اليوتيوب باس انه كيعطيك داك لو بوست صافي دير السي في ديالك فاش كتكتب بلا انا راه مشيت اون اشونج لواحد البلاد انا بالنسبه ليا ما كيهمش سواء مثلا بقينا في لافريك يعني بحال تونس ولا مشينا على برا المهم فاش كتقول راه انا مشيت لواحد البلاد ودرت فورماسيون وفوالا ها فاش اشنو درت واشنو درت واليوتيوب باس كيجي كيقول لك فوالا راه هادشي كاين راه هذا راه فريمون ان فري بوست ليك السي في ديالك وحتى لا شونس ديالك في ديك لوبورتونيتي اللي انت ولا انت كدفعي لها اي فوالا هادشي جو بونس هو اللي كانوا هو لي زانفورماسيون اللي بغيت نبارطاجي معكم. والا كان شي حد من الناس اللي معنا هنا بغى شي انفورماسيون ولا شي حاجه راه يقدر يتواصل معايا في اي وقت. شكرا بزاف خديجه. ولا قلنا لك عطينا ان مو بور ديكريغ طون اكسبيريونس ايراسموس كلمه وحيده ووحيده نقدر نقول الحياه سوزي واش نبان راه فريمون لو فات ديال انك كتمشي وكتجرب راه تما فاش كتحس براسك راك كتعيش وراه كاينين الناس اللي من برا اللي مستحيل كاع تقدر تعاود تلاقى معاهم ولكن نتوما هنا باش دير واحد لو بروجي بيناتكم بجوج خصكم فريمون كتحس بواحد الحاجه اللي هيومانيتير ماشي ما صعيب نعبر عليها مي الناس اللي غادي يمشيو ولا غادي تكون جاتهم لوبورتونيتي باش يجربوا غادي يفهموني كتحس بلا راه كاين واحد 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 لا ليزون مع هذيك لا بيرسون اللي كاينه معاك تما ولا لا بيرسون اللي مشات شاركت معاك اللي فريمون شي حاجه ما
صعيب انك تعبر عليها بكلمه واحده ولا كاع زعما نبقاو نهضروا عليها نقدروا نقولوا سبيريتويال فوالا. Merci, choukran jazila, merci beaucoup Khadija, merci de ta générosité. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais juste répondre rapidement à quelques questions. En fait, parce qu'on a eu pas mal de questions sur est-ce que ce domaine est éligible, etc. Tout ce qui concerne la jeunesse, tout ce qui permet de développer les compétences des jeunes, tout ce qui permet d'encadrer, tout ce qui permet in fine d'améliorer, promouvoir l'employabilité des jeunes, l'insertion à travers l'art, à travers la culture, à travers le sport, à travers tout ce qui touche de près ou de loin à la jeunesse pour accompagner, orienter la jeunesse, pour la fortifier, la renforcer ses compétences, est éligible et couvert par les différentes actions de Erasmus. Avec, comme on l'a dit, le renforcement de capacités destiné principalement les associations pour accompagner leur renforcement de capacités, pour améliorer cette fois-ci les compétences institutionnelles et individuelles. Et dans ce sens, parce qu'on a eu une question du département de la jeunesse, bien sûr, les départements de la jeunesse, les maisons de jeunes, les associations, aujourd'hui l'objectif d'Erasmus, c'est de créer un écosystème impliquant toutes les institutions privées, publiques, ou nées ou privées, hein, c'est-à-dire les associations et dans une certaine mesure également les coopératives, hein, parce qu'en effet, les coopératives, ce sont ce qu'on appelle des entreprises sociales. Donc, quand elles ont une valeur ajoutée, parce que c'est ça aussi le propre de ce qu'il faut expliquer, c'est quand elles ont une valeur ajoutée. Mais Hélène, les coopératives qui opèrent pour l'inclusion des jeunes filles, des jeunes femmes, parce qu'il y a aussi un focus sur ce qu'on appelle les personnes avec peu d'opportunités, notamment les femmes, notamment les personnes avec handicap, notamment l'inclusion, les personnes appartenant à des milieux sociaux défavorisés, les personnes appartenant au milieu rural. Donc, il y a vraiment aujourd'hui, c'est en ligne de mire la jeunesse, de là où on peut la toucher. Halkin Magal Khadija, il y avait l'entrepreneuriat, mais à travers le gaming. هذاك البروجي اللي قدمنا لكم قبيله خساره ما كانش معنا امين مي ليدي سيتي دو سنسيبيليزي ا سيت بروبليماتيك دو ميغراسيون كلانديستين مي ا ترافير لو تياتر plein d'idées. Encore une fois, le focus ici, c'est comment accompagner la jeunesse. Encore une fois, c'est une première session. Je sais qu'on vous a donné plein de choses, plein d'idées, mais l'objectif est de vous donner envie pour déposer l'accréditation, parce que c'est le plus dur pour la mobilité, etc. Ou bien, il y a des gens qui peuvent se dire, pourquoi on va faire tout ça. Le témoignage de Khadija pour nous, ou de Fouane, ou de Si Mohamed aussi, l'objectif, c'est de vous donner envie également, parce que, in fine, les gens vont dire que c'est 20,000 entrantes, sortantes des deux côtés. Mais aujourd'hui, si on touche un jeune aujourd'hui, peut changer sa vie, comme ma Kathleen Khadija, Jibhad Taqa, ou Naounouha, ou Zedou les compétences d'Yala, ou Hiyat Sani Kadji, ou Katnchar Hadik Haya, ou Yad Yala, ou sa motivation chez d'autres jeunes, etc. Il a rire, créé la dynamique. Je crois que c'est tout bénéfique pour la jeunesse d'Yana. Et c'est pour ça que tous, on doit s'entraider pour, Inch'Allah, même proche, restage association accréditée, ou là, on peut la tripler, quadrupler. Aujourd'hui, la Commission européenne, à travers les personnes avec lesquelles on travaille, ou elle a également Salto et à travers Pauline qui gère le Maroc, on est tous main dans la main, Brinan Saouno pour. نزيدوا هذا النمبر ديال لي لاسوسياسيون اكريديتي نتوما عاوتاني عاونونا بور اتر زعما دو ديبوزي دي دوسي حنا اون فوا فوز اكومباني سفوان و سي محمد و كاع لي بارتنير ديالنا اي سون فريمون لا و بغاو نديرو دي بوتيز اتوليي صيفطوا لينا دي ايميل انكور اون فوا قولوا لينا شنو هو المشكل اللي كان سور لو بروجي ديالكم قولوا لينا اشنو قالوا لكم في لو روجي والناس اللي حطوا تيتسناو لي ريبونس ان كي نو لو ديز اوسي سي اون بو فير ان بوتي بور فوار ان بو كيس كي بلوك انكور اي بوي Et puis, encore une fois, ce n'est que la première, on va dire,
approche. Je voulais dire quelque chose et j'ai oublié. Merci beaucoup, Khadija, pour ton témoignage. Cette année, nous fêtons, et on va finir sur une note de fête et de célébration. Cette année, nous fêtons deux choses. Nous fêtons 35e année Erasmus, où nous fêtons l'année européenne de la jeunesse. Et pour ceci, nous avons réfléchi à My Erasmusia, qui est un concours qu'on voudrait lancer aujourd'hui. Partagez-le avec les jeunes, peut-être des jeunes adhérents de chez vous, des jeunes sympathisants de votre association, des jeunes qui ont lancé des initiatives. Omar, qui est stagiaire chez nous, va présenter en quelques mots le concours qu'on va lancer pour fêter les 35 ans d'Erasmus. Et l'année de la jeunesse. Omar, à toi la parole, rapidos. Merci beaucoup, Madame Latifa. Et puis, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez bien, que la session, l'info-session s'est bien passée et que vous avez maintenant une idée un peu globale, générale, sur l'accréditation d'Erasmus. Et dans le cadre NIT, de l'احتفالات كيف ما قالت مدام لطيفه ديال لا سيليبراسيون ديال لاني اوروبيان اي اليوروب داي on a décidé de lancer une compétition, c'est My Erasmusia. C'est l'abréviation directe ديال Moroccan Youth Erasmus Initiative Award, et là on va célébrer جمعين un peu les initiatives des jeunes sur les quatre axes de l'Union européenne, les dras à Madame Letefa, le début de la présentation, l'inclusion, l'environnement, la digitalisation et l'international. Et du coup, je ne vois pas toujours le partage, mais si vous voulez, je peux partager mon indi. S'il te plaît, oui. Oui. D'accord. Alors, si tu peux partager la page web. Alors, c'est ça. Directement, je pars sur Google et là, si vous avez, c'est visible? Oui. Super. Alors là, c'est la première édition de la compétition. On compte vraiment en Atkunkulaam et elle va un peu donner la visibilité des initiatives marocaines des jeunes. Et je vais passer brièvement sur la présentation. Alors, là, vous avez le QR code LibreTrade, sinon la candidature directe, le formulaire. Le formulaire est brièvement, c'est un formulaire très simple. Vous avez un peu les critères de l'initiative. Nous avons une initiative où nous avons une initiative où nous avons quelqu'un qui a besoin de m'aider, quelqu'un qui a besoin d'une organisation internationale, ou quelqu'un même des fois qui derrière واحد les actions بساطين كيكون مثلا ان encadrement لواحد خمسة الشباب في الحي ديالو انهم كيمشيو يجمعوا مثلا une action environnementale تجمعوا. Et هاد les actions واخا هما صغار مي حنا on veut vraiment les valoriser, نعطيهم القيمة ديالهم. Et du coup زعما حتى واحد ما يقول لا خص ضروري نكون واحد لو ستاتيو كبير باش ضروري عاد نهضر على الانيشيتيف ديالي ولا نهضر على الخدمة ديالي. Que ça peut être chez Hadja Sghera, Kbira, moyenne. Hna, on va vraiment considérer les initiatives Kemni. Et la partie, zama, pour Nkhtaro, je connais vraiment les initiatives. Ramichi, zama, on va amener un jury les Nkhtar en place de Shabab. Non. نخليو الحرية النيت للشباب أنهم يهضروا على راسهم يبينوا خدمتهم كما كنقولوا خدمتك تبان عليك إي لا ديريكتومون يكون واحد لابارتي فوت يعني كتبان لا كونديداتور ديالك فواحد لا بلاتفورم وتما الناس كتعرض عليهم باش انهم يفوتيو على الانيشياتيف اللي انت كتكون فخور انك لونسيتيها وخدمتي عليها. Alors, brièvement, la partie formulaire, tu peux avoir des documents, les milliers de mains, ça veut dire qu'on peut avoir un document lié à l'initiative. Oui, mais là, le formulaire, il est très, très simple. Et je vais continuer à la partie du concours. Alors, on a les axes, l'objectif, le programme, les phases de sélection, d'accord? Et puis, les critères. Et هنا في الاخر غيكون une journée de célébration اللي غادي تكون ان شاء الله تكون en présentiel. Et هنا des prix. Alors هضرنا vraiment les prix, que ce soit pour des initiatives, que ce soit des personnes, des associations ou des individus. On va offrir des mobilités,
du coup des mobilités pour les jeunes, aussi un accès au TOEIC de la GCI, باش تقدر تشارك مثلا au TOEIC à l'international, et واحد l'accompagnement sur mesure, que ce soit une il a quand initiative مثلا association نساعدوك vraiment في l'accompagnement مثلا de l'accréditation ديال Erasmus. Et là quand tu une personne un individu نقدروا vraiment نساعدوك مثلا انك تافونسي في لو بروجي ديالك لقاو ان فينانسمون مثلا داك لو بروجي اللي انت خدام فيه سو حنا بغينا فريمون كاع لي جون يتانجاجاو نيزيتي با سورتو ا بارطاجي هاد لوبورتونيتي هاد لا كومبيتيسيون اي بغينا تمشي ا لافونس اي تبين فريمون الا بغينا نقولوا القدرات ديال الشباب اللي في المغرب حيت فريمون اون ا بوكو دو شوز ا دير. Les jeunes Mgharba, ils ont beaucoup de choses à dire et puis je laisserai la parole à Madame Latifa pour elle donne un peu le débrief final, un peu le My Erasmus. Merci à Omar, merci beaucoup. Donc, comme l'a dit Omar, c'est vraiment une initiative pour les jeunes de 18 à 30 ans. Il y a nos adhérents, des membres qui ont lancé une initiative et l'objectif, c'est de les célébrer, au même titre qu'on célèbre la jeunesse et qu'on célèbre les 35 ans d'Erasmus. On a oublié de citer les axes, l'inclusion, toujours, les axes transversaux aujourd'hui prioritaires de l'Union européenne, à savoir l'inclusion, la transition numérique, le changement climatique et l'environnement, ce que j'appelle moi le 3+1, et l'internationalisation et l'ouverture sur l'autre, parce que Erasmus+, dans sa nouvelle version, se veut plus international. C'est pour cette raison que l'Ittihad l'Europe ouvre les nains des actions supplémentaires, parce que c'est le souhait de l'Union européenne d'ouvrir plus le programme Erasmus+ à l'international. Donc, n'hésitez pas à partager ce My Erasmus avec les jeunes que vous connaissez. Khadija, Asdeqa, qui est une initiative qui est considérée ou qui est un des axes. Encore une fois, je tiens à remercier la délégation de l'Union européenne au Maroc, l'agence exécutive de l'Union européenne, remercier France Volontaire, remercier alors ce mercredi ma canne ça signé ça l'association dire comme c'est spoil. Alors ma petite canne à quel moment? Morocco France Foundation, la fondation des amis du Maroc. Voilà, la fondation des amis du Maroc, Morocco France Foundation, Sesfouane, le président d'Iala, Léo, c'est un homme extraordinaire, c'est Aïd Bella. Aït Bella, yak? Abella. Abella, voilà, ouais. Qui est une personne extraordinaire. Remercier toutes les personnes qui ont participé à cette session. Remercier Khadija pour son témoignage, pour sa disponibilité, pour sa bonne humeur, pour son énergie positive qu'elle nous a communiquée. Khadija Ma'ana Ben Bengrir, on la remercie. En principe, Inch'Allah, j'espère vous voir en réel et en visu. Encore une fois, shukran jazilan pour les participants qui étaient depuis 10 heures avec nous. On va vous envoyer un email avec tous les détails, on va partager avec vous tous les liens utiles et n'hésitez pas, encore une fois, j'insiste dessus, s'il vous plaît, à nous envoyer pour ceux qui ont déposé des accréditations et qui ont été refusés le motif du refus, l'email qu'ils ont reçu, et puis ceux qui ont déposé, qui n'ont pas reçu de retour, de nous envoyer un email, et pour ceux qui désirent se faire accréditer, de nous envoyer également un petit email pour qu'on ait un peu de visibilité sur aujourd'hui sur quelles actions vous voulez vous positionner. N'oubliez pas le renforcement de capacité qui, lui, n'a rien à voir avec l'accréditation. Il ne nécessite pas l'accréditation, mais c'est pour accompagner vos besoins aujourd'hui sur des compétences spécifiques sur lesquelles vous voudrez perfectionner vos équipes, la structure d'IELCOM, etc. Et donc, c'est un volet qui est indépendant aujourd'hui de l'accréditation destinée aux besoins et qui peut-être encore une fois entre le Maroc et la Tunisie avec deux Européens et puis d'autres nationalités, notamment pourquoi pas des pays de l'Afrique subsaharienne, notamment si vous avez des contacts au Sénégal, au Burkina, etc. Je sais que beaucoup d'associations aujourd'hui ont des contacts un peu partout. Voilà, merci encore à tous, je vous souhaite un superbe après-midi, je vous remercie de tout
de tous vos messages d'encouragement. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter dans les emails déjà partagés. Et surtout, surtout, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de nous faire part de vos évaluations, parce que ça nous permet de développer, bien sûr, nos événements à venir. Voilà, donc je me permets de partager avec vous le formulaire d'évaluation à renseigner pour nous, s'il vous plaît. Voilà, je vous remercie toutes et tous. Je vous souhaite un bon après-midi. Et je partage aussi, j'ai oublié de faire erasmus+.ma/jeunesse. L'anglais, hop, voilà, l'anglais spécifique sur tout ce qu'on a discuté aujourd'hui.